Il marche celui-là, ouais. Dominique est là? Non, pas vrai. Si, elle est. Un petit mot d'introduction qu'on prendrait, et on va excuser Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. On est aujourd'hui sous son haut patronage, mais le contexte fait que les agendas sont un peu modifiés ces jours-ci, et pour nous, y compris la semaine prochaine. Gaël Le Boeck, député d'Ille-et-Vilaine, je suis ravi d'accueillir la voix de l'enfant, vraiment, à l'Assemblée nationale, sous le haut patronage de Richard Ferrand, son président. Je suis ravi qu'on soit dans cette salle-là si particulière pour un député de la majorité, puisque c'est une salle où on s'écoute et on apprend à parler tous les mardis à 10h30. On est tous entre députés, parfois avec un petit peu de tension, et c'est bien normal, c'est la vie démocratique. À la fois tension entre nous pour discuter des lois, des textes, à la fois tension avec les ministres qui viennent vendre ou expliquer certains projets de loi ici à la tribune. Donc je suis ravi que ce soit aussi dans un autre contexte aujourd'hui d'accueillir vraiment la voix de l'enfant dans une situation un peu particulière. Évidemment, je ne peux pas ignorer la situation européenne et la guerre Russie-Ukraine qui a pointé le jour en milieu de journée et qui fait que nos agendas sont tous un petit peu modifiés et perturbés. Mais je suis quand même ravi du coup qu'on puisse parler vraiment de ce sujet si important, porté par l'association de la Voix de l'Enfant. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais je voulais juste faire ce petit mot d'introduction au nom de Richard Ferrand, au nom de l'Assemblée nationale, pour ce beau colloque, et je laisse la place, je crois, à Dominique, sa présidente. Je remercie effectivement tout particulièrement... Ah oui, c'est vrai, je ne fais pas la même taille. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui nous accueille dans ce haut lieu, l'Assemblée nationale, où se discutent nos lois, là où s'exerce notre démocratie, lieu de vie de notre République. Je remercie monsieur le député d'Ille-et-Vilaine, Gaël Le Boeck, à l'origine d'un projet d'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger à Redon. Et je vous salue, mesdames, messieurs, les présidentes, présidents, directeurs, directrices, chers amis. Je vous remercie pour votre participation à ce symposium en présentiel, mais aussi grâce à la technologie à distance. C'est dans le cadre du 40e anniversaire de la Fédération La Voix de l'Enfant qui s'est donné pour but, avec ses 80 associations membres, en France et à l'international, l'écoute et la défense de tout enfant, quel qu'il soit, où qu'il soit, que nous avions imaginé le 20 novembre dernier d'organiser ce symposium sur l'humanité de l'enfant. Mais comme vous le savez, la crise sanitaire nous a obligés à reporter cet événement. La Voix de l'Enfant, ne renonçant jamais, nous célébrons cet anniversaire aujourd'hui. Sans doute vous demandez-vous pourquoi un tel titre pour cette journée de réflexion, Humanité de l'enfant. Avec les administrateurs et les associations membres, nous avons souhaité que l'enfant, sujet de droit, soit l'épicentre de nos réflexions et des propositions que nous adresserons dans le cadre d'un manifeste aux candidats à l'élection présidentielle. Liberté, égalité, fraternité, la devise de notre République nous rassemble, tous. C'est sur ces trois valeurs qu'elle définit ce qu'est l'humanité et sur ces trois piliers qu'elle a construit son humanité. Trop souvent, l'enfant est abordé comme un objet. En nous questionnant sur ce qui fonde son humanité, nous lui redonnons sa place dans notre société dès son plus jeune âge, en tenant compte de sa vulnérabilité, car son humanité a ceci de particulier qu'elle est à la merci de celle des adultes. Et également en tenant compte de la nécessité de respecter le temps de l'enfance. Je tiens au nom de la Voix de l'Enfant à remercier particulièrement les intervenants pour leur fidèle engagement aux côtés de notre fédération, leur professionnalisme, leurs compétences et leur expertise. Des réponses adaptées aux besoins des enfants sont d'un grand apport
et d'une immense richesse pour chacune et chacun d'entre nous. Je suis convaincue qu'ils vous auront apporté cette richesse à la fin de cette journée et j'ai hâte de les entendre. Je voudrais terminer, bien sûr, avec une pensée émue pour tous les enfants d'Ukraine, pour les associations, membres de la Fédération, qui se mobilisent aujourd'hui en Pologne, en Roumanie, pour pouvoir accueillir ces réfugiés. Je vous remercie et bonne journée. Je reviens. Madame la Présidente, chère Dominique Brichard, que je découvre aujourd'hui, mais avec plaisir de découvrir justement votre arrivée dans cette belle association. Je suis heureux évidemment d'ouvrir ce symposium de la voix de l'enfance, de l'enfant, pardon, sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. L'événement qui nous réunit aujourd'hui a pour ambition de nous interroger sur l'humanité de l'enfant. Quel beau thème, un thème important. Cette humanité, nous devrions nous l'imposer tous les jours, tous, sans oublier que nous avons été enfants, des enfants joyeux, rêveurs, turbulents, sages, parfois espiègles, des enfants curieux aux mille questionnements, aux mille critiques, aux mille projets. Garder notre âme d'enfance et nous permettre de nous interroger sur la vision du monde en tant qu'acteur politique, d'agir pour une société plus confraternelle. Ici, toute l'importance de ne pas oublier qu'on a été enfant. Je trouve trop souvent, évidemment, qu'on s'interdit de réfléchir encore comme des enfants. Ce matin, à mon footing quotidien, quelle beauté de découvrir encore Paris sous le soleil et sous le soleil levant. On oublie trop souvent de continuer notre émerveillement comme des enfants. Et charge à ce colloque, justement, sur l'humanité, de s'ouvrir, de continuer notre émerveillement quotidien. Les questions relatives à l'enfance ont été un fil conducteur de mon mandat depuis le début du quinquennat en tant que membre permanent de la commission de l'éducation, mais également en tant que vice-président de la délégation aux droits des femmes. La première réflexion que j'ai menée sur l'enfance a tourné au début de mandat sur la question du bien-être, de son bien-être, les conditions que nous devions apporter aux enfants en tant qu'adultes pour leur permettre de bien apprendre, de bien grandir, pour leur assurer une égalité de chance dans la vie. Très vite, j'ai pu mesurer à quel point les enfants sont, dès le plus jeune âge, confrontés à beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités, beaucoup de cas de pauvreté. C'est à l'école que cela se passe, à l'école où les promesses d'égalité, de futur tranquille, devraient se construire. L'une des premières inégalités que j'ai remarquées est celle à laquelle les enfants se heurtent à l'école. Je veux parler ici de l'accès à la cantine qui m'a beaucoup marqué. Les chiffres sont terribles. D'une manière générale, dans notre pays, et c'est bien normal, 12% des enfants ne vont pas manger à la cantine le midi. Je suis ravi quand j'ai le temps et quand je suis en circonscription de pouvoir manger avec mes filles. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est toujours un plaisir. Je fais partie de ces 12%-là. Ce chiffre monte à 25% quand on est dans des réseaux d'éducation prioritaires, monte à 50% quand on est dans des réseaux d'éducation très prioritaires. Enfin, les enfants, quand ils cumulent le fait, permettez-moi des guillemets devant le cumul, le fait d'évoluer dans des zones géographiques très défavorisées et celui de grandir dans des familles vivant sous le seuil de pauvreté, ce chiffre monte à 75%. Nous excluons 75%, 3 enfants sur 4 de la cantine dans notre pays, parfois aujourd'hui dans certaines zones et certaines conditions. Face à ces chiffres, je me suis rendu compte dans les écoles de ma circonscription et j'ai demandé évidemment aux enfants de me raconter leur pause méridienne. L'intelligence de l'enfant est intuitive, observatrice, nous disait Françoise Dolto. Je me souviendrai toujours de ces enfants qui me racontent le quotidien d'un de leurs petits camarades qui, chaque jour, attendait une heure devant la grille de l'école, le midi, pour rejoindre la cour de récréation dans laquelle jouaient les petits camarades qui étaient ensemble parce qu'ils avaient eu la chance d'aller à la cantine. Quand on veut aborder la question de l'humanité de l'enfant, nous devons évidemment aussi nous interroger parfois sur l'inhumanité des adultes, sur cette part d'humanité que nous avons abandonné en chemin. Au début de mon mandat, je me suis donc battu pour encourager partout en France, sur tous les territoires, tous les niveaux de scolarité, une tarification progressive de la restauration scolaire, voire une gratuité pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté. Après de longs mois de dialogue incessant avec les acteurs locaux, le gouvernement,
notamment avec l'aide précieuse du secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, que je salue ici. Celui aussi de la ruralité, Joël Giraud, que je remercie ici très chaleureusement aussi. Le gouvernement a mis en place un dispositif dit des cantines à 1 euro dans les villes de moins de 10 000 habitants, nécessitant encore des améliorations. Ce dispositif d'ampleur, à la faveur de la crise Covid, les pouvoirs publics ayant pris conscience de la nécessité de soutenir les familles, en particulier quand elles sont en situation de pauvreté. Si nous n'avons pas totalement atteint l'objectif, c'est une avancée à saluer. Mieux encore, les maires, qui sont les premiers acteurs pour décider de l'instauration d'une progressivité, voire d'une gratuité, ont commencé à comprendre l'intérêt de mettre en place ce dispositif de la cantine dite à 1 euro. En effet, ce dispositif, il bénéficie aussi d'un soutien financier de l'État, d'où l'importance du lien entre les acteurs nationaux et les acteurs des collectivités. Soutien financier de l'État qui permet de mettre en place une politique sociale qui est soutenable financièrement par les collectivités locales. Car la restauration scolaire, outre le fait qu'elle permet d'offrir un repas chaud, équilibré dans la journée, offre une réponse pragmatique à trois enjeux. Un enjeu d'éducation, évidemment. Comment voulez-vous apprendre dans des bonnes conditions quand vous n'avez pas mangé le midi ? Un enjeu aussi, je veux le souligner, de santé publique. Comment l'enfant va-t-il pouvoir apprendre à développer un équilibre alimentaire, sachant que plus qu'un quart des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont deux fois plus nombreux à être touchés par des problèmes de malnutrition, de dénutrition. Enfin, la restauration scolaire, et j'y attache beaucoup d'importance, répond à un enjeu d'inclusion sociale, durable et de lutte contre les inégalités. De fait, la pause méridienne constitue un temps de partage et d'intégration, un lieu privilégié du vivre ensemble pour nos enfants. Or, comme les enfants peuvent-ils s'intégrer si, comme je l'ai dit dans un cas pratique tout à l'heure, ils sont exclus de cette pause méridienne ? Écouter la parole de l'enfant, c'est une chose, savoir la recueillir dans les meilleures conditions en est une autre. J'ai fait le constat dans ce combat pour l'humanité de l'enfant des difficultés de prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles ou psychologiques, un sujet compliqué, systémique, qui plonge très profondément, dans les racines de notre société, fondée sur la domination, c'est-à-dire sur le patriarcat et une conception assez patrimoniale de l'enfant. La présidente parlait d'enfant comme objet tout à l'heure, je m'inscris totalement dans ses propos évidemment. Face à cette culture du tabou, parfois du refus de l'écoute, je me permets de nous interroger collectivement, à l'instar de François Taddeï dans son dernier ouvrage « Et si nous ?». Il nous invite à réfléchir sur le monde après cette crise de la Covid. Je cite quelques mots, ouvrez les guillemets de François Taddeï. Qui pour défendre les enfants ? Qui pour les écouter ? Quelles instances pour leur donner la parole ? Qui pour les aider à sortir des cycles de violence, à grandir, à croire en eux, à réussir leur vie ? Et si nous inventions les réponses à ces questions avec eux ? Avec un chapitre entièrement consacré, et si nous prenions soin de nos enfants dans ce livre « Et si nous » de François Taddeï. La plupart du temps, la famille est fort heureusement le lieu d'épanouissement et d'amour. Mais elle peut aussi être le lieu de l'exil, de la brutalité pour certains enfants. Sur la question de la violence contre les enfants, et en particulier des violences sexuelles, j'ai souhaité m'engager pour accompagner M. Taquet en participant au plan de lutte contre les violences faites aux enfants mis en place en novembre 2019. Ce plan inclut un certain nombre de mesures pour répondre à l'urgence et prévoit notamment le développement des unités d'accueil pédiatrique enfance danger, vous en avez parlé, Madame la Présidente. Ces unités pluridisciplinaires dans les hôpitaux, les services pédiatriques, où les enfants sont auditionnés par des policiers et des gendarmes formés, proposent des entretiens filmés qui font office de preuve pour que l'enfant n'ait pas à répéter 7 ou 8 fois la même chose au cours d'une procédure. À la suite de la visite de l'UAPED de Saint-Malo, en juin 2019, avec Madame Brigitte Macron, avec vous, très chère Martine Brousse, quel bon souvenir que cette unité assez avant-gardiste à Saint-Malo. J'ai interrogé les gendarmes sur la façon dont la parole était recueillie sur ma circonscription du sud d'Ille-et-Vilaine à Redon, et j'ai rapidement conclu combien il était nécessaire de réfléchir à un équilibre territorial de telles unités. À Redon, commune et sous-préfecture de la circonscription sur laquelle j'ai été élu il y a maintenant 5 ans, située dans ce que j'appelle le triangle d'or entre Nantes, Rennes et Vannes.
J'ai ainsi œuvré avec l'ensemble des acteurs locaux à la création d'une unité d'accueil pédiatrique enfance danger dans les locaux du centre hospitalier de Redon-Carantoire. C'est une fierté de voir aboutir ce projet dans les jours qui viennent. Je rappelle, en 2021, ce sont 7000 enfants qui ont été auditionnés en France, dans parfois des situations ubuesques, ne serait-ce qu'à Redon. Je parlais de mes échanges avec les acteurs locaux. Faute de structure locale adaptée, ce sont 168 enfants, jeunes, parfois très jeunes, âgés de 3 ans, pour la dernière discussion que j'ai pu avoir avec la commandante locale, qui ont dû faire face aux trajets et aux difficultés administratives qu'on leur impose, de faire la route entre Redon et Rennes pour une audition, une heure de route aller, une heure retour, être encadré par des militaires. On espère d'autres choses pour nos enfants à l'époque où on se parle. Évidemment, dans un véhicule de gendarmerie pour être auditionné, donc entendu sur leur traumatisme d'enfants victimes de violences intrafamiliales. C'est donc face à cette réalité et à un besoin du territoire que cette unité d'accueil pédiatrique enfance danger sera inaugurée dans les prochains jours, d'ici une quinzaine de jours, si tout va bien, pour que les enfants puissent être accompagnés psychologiquement au plus près avec une offre de soins adaptée, équilibrée. C'est de mémoire à Saint-Malo un enfant auditionné quasiment tous les jours et on s'était vraiment posé cette question-là, de dire que sur le territoire de Redon, du sud d'Ille-et-Vilaine, aux confluences de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan, il y avait évidemment au moins la même demande, si tant est qu'on puisse appeler ça une demande. Lors de mon mandat, j'ai également travaillé dans le cadre de ma fonction de vice-président à la délégation aux droits des femmes sur la question des stéréotypes de genre chez les enfants, stéréotypes qui génèrent une forme de violence aussi vis-à-vis des enfants dès le plus jeune âge. J'en ai parlé avec certains d'entre vous juste avant d'ouvrir ce colloque. Avec ma collègue et députée Karine Lebon, députée de La Réunion, nous avons remis un rapport après un travail de plusieurs mois dans lequel figurent 21 recommandations visant à accélérer l'égalité entre les filles et les garçons, notamment rendre les cours de récréation plus égalitaires, créer un label égalité dans les manuels scolaires, sensibiliser les filles aux métiers scientifiques, renforcer l'éducation sexuelle. J'ai beaucoup insisté dans ce rapport sur l'importance d'écouter les enfants, de prendre en compte leurs paroles concernant les questions qui touchent à l'égalité. Les rapports sont disponibles là pour ceux qui sont intéressés, ils sont évidemment en ligne sur le site de l'Assemblée nationale pour ceux qui le souhaitent. Nous parlons très peu des enfants dans nos discussions, malheureusement. Nous prenons souvent à leur place des décisions qui affectent leur quotidien sans jamais les consulter. S'il était temps de leur faire confiance, de croire en les enfants, en leur curiosité naturelle, comprendre le monde qui l'entoure, l'enfant ne doit jamais être laissé de côté, il doit être estimé et surtout écouté. Comme un adulte, il a beaucoup de choses à dire sur lui-même, sur les autres, sur la société. Nous devons ainsi absolument remettre l'enfant et sa parole au cœur de toutes nos discussions. C'est d'ailleurs, et je finirai sur ces mots, un ouvrage sur l'éducation qui va sortir dans quelques semaines, coécrit sur lequel il y aura une postface de François Taddeï. Je suis fier de vous l'annoncer, évidemment, à la fois aujourd'hui en exclusivité, et qui s'appelle « Et si l'enfant était au cœur de notre éducation, au cœur de l'ensemble de nos systèmes ?» Il proposera 70 mesures pour faire de l'école un lieu d'écoute, d'épanouissement pour ses élèves, en abordant aussi bien les questions de l'architecture scolaire, sur lesquelles les enfants devraient absolument avoir leur mot à dire, du numérique, de l'accueil périscolaire, de l'inclusion, ou encore de l'égalité des rimes scolaires. Et je pense évidemment aussi à quelque chose qui m'est cher, la santé mentale et le bien-être des élèves dans toute leur vie à l'école et évidemment bien ailleurs. Avec toujours le même objectif, prendre en compte la parole de l'enfant sur tous ces sujets sans les oublier. Je vous remercie. Merci beaucoup Gaëlle Le Boeck. Vous avez excusé Richard Ferrand. À mon tour désormais d'excuser Carole Bouquet, la marraine de la Voix de l'Enfant, qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui, qui aurait voulu être parmi nous, mais qui malheureusement a été testée positive au Covid. Elle est donc toute excusée. À mon tour de me présenter, Marion Dubreuil, je vais accompagner cette journée de réflexion de la Voix de l'Enfant. Et avant d'inviter du coup les intervenants de notre première table ronde consacrée à l'inconditionnalité de l'enfant, que j'invite à me rejoindre en tribune, nous avons souhaité donner la parole
au premier concerné. Il était impensable, en effet, de consacrer une journée à l'humanité de l'enfant sans écouter ce qu'ils ont à nous dire. Nous leur avons posé une question simple, mais essentielle. Quel est le droit le plus important pour toi ? Et écoutez ce qu'ils nous ont répondu. C'est le droit à l'éducation, d'aller à l'école. C'est très important, il doit apprendre comme ça. Quand il va être adulte, il pourra choisir son métier. Le droit au loisir, le droit de jouer. Parce que les enfants, ils n'ont pas besoin de travailler. Le droit de la liberté. Un enfant, sa liberté, c'est pas un enfant. Se sentir libre, faire ce qu'on veut. Et ça, c'est possible? Ça dépend. Le droit au logement, parce qu'il y a des gens, par exemple, en Afrique, ils n'ont pas de toit. Et ils n'arrivent pas à survivre. Des fois, ils meurent. Et en France, ça arrive aussi ou pas? Oui, par exemple, il y a des sans-abri dehors, il y a des immigrés, parce qu'il y a la guerre dans leur pays. Le droit de ne pas être séparé de ses parents. Non. Pas laisser les enfants tout seuls. Ah, j'ai pas vu! Pour moi, c'est le droit à la nourriture, parce que sans nourriture, ils ne peuvent pas vraiment vivre. C'est le droit aux soins. Parce qu'il y a des enfants dans le monde, ils sont malades, très malades, mais ils ne sont pas soignés. Moi, c'est le truc de la vie privée. T'as pas le droit d'afficher les gens. Le droit de respect, d'être respecté. Moi, c'est le respect, tu me respectes, je te respecte, tu me respectes pas, je te respecte pas. Je mets la protection contre la violence, car c'est pas bien de frapper les enfants. Ça peut détruire la vie. Il ne faut pas frapper les enfants parce qu'ils sont fragiles. Il ne faut pas frapper les enfants parce qu'ils sont fragiles. Vous l'avez entendu comme moi, les enfants ont des mots à exprimer sur la société d'aujourd'hui. Ils parlent déjà d'immigrés, c'était avant la situation, la guerre en Russie et en Ukraine. C'est important de le préciser parce que finalement, ils sont souvent au cœur de l'actualité. Les enfants ont conscience de leur fragilité. Ils savent aussi que c'est aux adultes de les protéger. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure entrée en matière pour cette première table ronde qui est donc consacrée à l'inconditionnalité de l'humanité de l'enfant. Pour nourrir notre réflexion, je vous présente nos trois intervenants, la professeure de droit Flore Capelier, directrice de l'ONPE, l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Bonjour. Alors pour activer votre micro, exactement. Le pédopsychiatre Philippe Duverger, chef du service de psychiatrie de l'enfant, de l'adolescent du CHU d'Angers. Bonjour. Bonjour à tous. Et le philosophe Joseph Cohen, également professeur de philosophie contemporaine à l'University College Dublin. Bonjour. Bonjour. Merci à vous trois d'avoir répondu à l'invitation de La Voix de l'Enfant. On va ouvrir donc cette table ronde avec vous, Philippe Duverger, sur cette notion qui va traverser toute cette journée, celle de l'humanité de l'enfant. Qu'est-ce que le pédopsychiatre entend par cette notion d'humanité de l'enfant ? Merci beaucoup et merci bien évidemment à Madame Martine Brousse et puis à Madame Brichard, présidente de La Voix de l'Enfant. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous et bien sûr merci à toute l'équipe de La Voix de l'Enfant pour cette invitation et ce piège finalement, parce que c'est vrai que me donner que 10 minutes pour parler de cette question de l'humanité de l'enfant, c'est un impossible. Donc une complexité qui va me faire sans doute des raccourcis, mais bon, je m'en excuse et peut-être la discussion permettra d'amplifier, d'enrichir mon propos. En effet, qu'est-ce que le pédopsychiatre entend par humanité chez l'enfant ou de l'enfant ? Je vais essayer de définir un petit peu moi ce que j'en pense, comment je vois ça à partir de ma pratique, avec le « et si nous, comme disait monsieur le député, hein, et si nous prenions soin des enfants ?» C'est ce que je fais depuis 30 ans, justement, d'écouter cette parole et donc de donner quelques illustrations cliniques de, je n'irai pas plus loin, mais de bébés et d'enfants, justement par rapport à cette question de l'humanité. Un petit mot sur la vulnérabilité, surtout de parler de comment rencontre-t-on un enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humanité pour un pédopsychiatre chez un enfant? Ce n'est pas simple de définir l'humanité. Quand Martine Brousse m'a posé la question, je me suis dit, mais finalement, ce serait peut-être aussi simple de la définir parce qu'elle n'est pas. Et ce qui se passe en Ukraine, d'ailleurs, en ce moment, peut nous montrer que, finalement, on a plus envie de définir l'humanité parce qu'elle n'est pas, en pensant au racisme, à la discrimination,
aux crimes contre l'humanité, etc. Et puis je pensais même à ma propre, inhumanité, évidemment, parce que je vais revenir dans le cœur de tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Qu'est-ce qui fait l'humain? L'humanité, ça dessine à la fois l'ensemble des individus qui appartiennent à une même espèce humaine et en même temps ses caractéristiques cognitives, comportementales, psychiques, avec évidemment ses qualités humaines. Le concept d'humanité, il se situe entre la nature humaine et celle de la condition humaine. Et c'est vrai que dans chaque être humain, il y a sûrement une part d'humanité, mais aussi peut-être d'animalité. Et deux réflexions en découlent, et évidemment ça m'intéresse, c'est celle qui est qu'est-ce que le propre de l'humain ? Qu'est-ce que c'est le propre de l'humain ? Quelles sont les particularités de la physiologie, du comportement, mais aussi évidemment de sa psychologie qu'on ne retrouve pas dans le monde animal ? C'est ce qui m'intéresse. Et qu'est-ce qui fait l'unité de l'homme ? Alors le propre de l'homme, qui le différencierait de l'animal ? Est-ce que c'est une conception religieuse? Est-ce que c'est une anthropologie, on pourrait dire, un peu corrompue, comme dirait Lévi-Strauss, hein, ou un préjugé? Un préjugé, hein, comme dirait Derrida, ou un abus de pouvoir, ou finalement peut-être une réalité psychique? Est-ce que c'est le rire, le propre de l'homme? Évidemment, comme disait Rabelais, est-ce que c'est la capacité à reconnaître Dieu et donc à, voilà, ou est-ce que c'est peut-être, comme le penserait le pédopsychiatre, une façon de se raconter des histoires? En fin de compte, je crois que la question de ce qui est le propre de l'humain, ça relève bien sûr de la biologie, du comportement, de la philosophie, mais aussi peut-être de la psychologie. Et là, je vais axer mon propos sur le propre de l'humain du côté du psychique, qui serait au fondement peut-être du secret de l'humanité et de l'humain. Évidemment, pour le pédopsychiatre, il y a le langage et l'écriture, le langage articulé, cette construction symbolique dont je vais parler, hein, avec toutes ces créations. La connaissance, les sciences, les croyances, tout ce qui participe à la culture. Donc le langage, la conscience de soi, et donc cette pensée réflexive qui fait que l'être humain est capable de se penser. Et puis la capacité d'abstraction, et donc de se faire des représentations. On est capable de penser avec tout ce qui va du côté de l'art, du plaisir, et on l'a vu avec les réflexions des enfants, hein, cette capacité à dire des choses. Et donc le langage, pour moi, le langage, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est un des traits des humains, hein, de cet instinct du langage, un mécanisme inné du cerveau, hein, capable d'acquérir ce langage. Les êtres humains peuvent penser l'abstraction, peuvent manipuler les concepts, réfléchir, proposer des choses, remettre en question, raisonner, élaborer des règles, planifier, etc. Bref, avoir une pensée. L'animal, non. L'animal, non. Et c'est grâce au langage, au symbole, que l'homme pense, crée, invente. Il peut même s'inventer lui-même. L'humanité ne serait pas, d'ailleurs, notre propre invention. C'est-à-dire une création finalement, dans l'esprit de notre espèce, une construction de notre psychisme. Et d'ailleurs, est-ce que le propre de l'humain, ce ne serait pas de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'humain ? Alors, nous sommes entre nature et culture, et c'est vrai que c'est toute la question, finalement, quand on rencontre un enfant, de se poser cette question-là. Je ne pense pas que l'humanité soit une question d'éducation. Peut-être là, c'est une nuance et une différence avec ce que disait Monsieur le député, tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça relève uniquement de l'éducation. Si l'éducation participe à l'éveil, évidemment, de l'enfant, si elle transmet les grands principes, elle n'en est en rien une garantie. D'ailleurs, certains criminels contre l'humanité sont très bien éduqués, ils sont même très bien instruits. Alors, être humain, qu'est-ce que c'est ? Pour le pédopsychiatre, c'est être un sujet à part entière, avec une subjectivité propre, une parole, donc, et donc, à nous de l'écouter. Et finalement, définir ce que serait l'humanité de l'enfant, c'est à chacun de nous, chaque responsable, chaque professionnel, se poser la question de sa propre humanité. Et donc, la propre responsabilité de l'adulte, d'être en capacité d'écouter ce qui est humain et l'humanité de l'enfant. Et ça, ça me semble tout à fait important. Et donc, c'est toute l'attention, le regard, l'empathie et la responsabilité de l'adulte. Et bref, c'est l'humanité de l'adulte qui est en question. Parce que oui, l'enfant est un être humain, et je pense que mes collègues vont en parler du côté du droit, du côté évidemment philosophique, hein, avec les droits fondamentaux qui seront rappelés sans doute tout à l'heure. Et je vais évidemment passer sur cette question, mais c'est les enfants qui en parlent le mieux, puisque évidemment, ils parlent de leurs droits.
Alors, pour le pédopsychiatre, cette question du langage, j'y reviens parce que ça me semble tout à fait fondamental. Je vais faire un détour par l'enfant sauvage. Le contraire de l'humain, c'est peut-être ce qui serait le sauvage. Et c'est vrai que Victor de l'Aveyron, en 1785, ça fait un magnifique film de François Truffaut, l'enfant sauvage, c'est ce petit garçon de 12 ans qui est trouvé dans la forêt du côté du Tarn, on est en 1785, et qui ne parle pas, justement. C'est l'infance. Ce n'est pas l'enfant, c'est l'infance, celui qui n'a pas de langage. Et c'est intéressant parce que malgré tous les efforts d'Itard, des éducateurs, des psychologues, malgré tout ça, eh bien, on ne va pas réussir à, je dirais peut-être, j'ouvre les guillemets, à en faire un humain. C'est intéressant, ça voudrait dire que finalement, c'est la société humaine qui crée l'humain. C'est la société sans appartenance sociale initiale, un homme ne serait peut-être qu'un sauvage. Ça renvoie aussi à la controverse de Valladolid, ce moment où les Espagnols rencontrent les Indiens et qui vont se poser la question, mais sont-ils des sauvages ou sont-ils des humains? C'est un magnifique film, là encore, dont je vous renvoie. Et finalement, l'humanité ne s'apprend pas. L'humanité ne s'apprend pas, elle ne relève pas d'éducation, elle se partage, elle repose sur la rencontre avec un autre être humain. Et donc là, l'enfant, oui, est une personne, l'enfant est un être humain, et c'est Dolto, elle a été déjà citée, mais qui disait évidemment, et pour le pédopsychiatre c'est important, le bébé est une personne, et l'être humain est un être de langage. Voilà, elle s'adressait à tous les enfants en disant que finalement, c'est en s'adressant à lui qu'on rend l'enfant entendant et réceptif dans sa sensibilité, c'est ce qui en fait un humain. Autrement dit, tout est langage, à la différence de l'animal. Et c'est justement en parlant, en s'exprimant, que l'on fait la différence et qu'on en fait un humain. On pourra revenir évidemment sur Dolto, mais c'est vrai que c'est pour moi tout à fait fondamental tout ce qu'elle va aborder, on y reviendra bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans ma pratique? C'est vrai que moi, je rencontre des bébés, je rencontre des enfants. Et c'est vrai, notamment, j'y reviendrai à la maternité, entre la vitrine céleste de ce temps moderne de la fécondité et la triviale arrière-boutique de tous les ratés et les drames quotidiens que moi, évidemment, je rencontre puisqu'on m'appelle quand ça va mal. C'est vrai que le contraste est parfois grand. Et je vois des situations, notamment, on verra tout à l'heure, de bébés qui naissent sans parents. Les accouchements sous X, par exemple. Et évidemment, donc, des orphelins. C'est toute la question des orphelins qui n'existent pas. On les connaît dans les romans, Tintin, Oliver Twist, Tom Sawyer, Gavroche, Harry Potter, Poil de Carotte, Harry Potter, etc. Mais ils ne sont pas que dans les romans. C'est vrai que j'ai eu la chance d'aller faire une mission à Mayotte, qui est un département français, c'est le 101e, où finalement la majorité, enfin plus de la moitié des gens qui vivent à Mayotte ont moins de 17 ans. C'est ça la réalité. Et que je vois surtout beaucoup d'enfants abandonnés et d'enfants sans parents, d'enfants à la rue. Mais bon, on ne va pas aller si loin, je vais revenir à la maternité d'Angers. Je vous l'avais dit. À l'horloge, oui, je le savais. Alors voilà. Donc, juste peut-être deux illustrations cliniques. Qu'est-ce qui se passe quand un bébé naît sans parents? Avec un accouchement sous X. Que devient-il? Que se passe-t-il? Puisque justement, il n'a plus de parents. Quelle accroche? Comment on met des mots là-dessus? Que se passe-t-il? Je vais vous parler d'Élise. C'est une petite fille qui n'a pas de prénom. Je vais l'appeler déjà Élise, mais bon, elle n'a pas de prénom parce que sa maman est une adolescente qui a fait le choix d'un accouchement sous X et le père du bébé n'est même pas au courant. Cette petite fille, elle n'a pas de prénom, elle a 2 jours et donc elle est toute seule. Elle va aller en néonatologie et c'est après, dans un deuxième temps, que le département, avec l'aide sociale à l'enfance, va prendre la responsabilité. Mais jusqu'alors, et ça va prendre des jours, des semaines, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, c'est tout le travail qu'on va faire avec les puéricultrices qui vont permettre de bâtir et commencer les fondations d'une histoire. Et c'est vrai qu'il va falloir, pour ce bébé qui est tout seul, à la maternité, en néonatologie, après, eh bien, le baigner de paroles, de soins, de bercement, de protection, le rassurer et le rendre unique. Les contacts physiques, les câlins, les portages, bref, de l'aider à construire une intériorité, un langage et des limites corporelles, de l'aider à s'appréhender. C'est toutes ces fonctions maternelles qui vont en faire un humain. Et nous avons écrit, nous avons construit un livret de vie. Un livret de vie, c'est-à-dire un petit carnet qui permet de mentionner son identité, son prénom que les infirmières ont donné, qui va changer d'ailleurs sans doute ultérieurement, sa date de naissance, son bracelet, sa description physique, des photographies, des mots du personnel, etc. Ça témoigne de ce qui est du côté de l'humain.
d'en faire, je dirais, un humain. Raconter un récit, Philippe. Et de raconter une histoire, de raconter un récit, absolument. Et de faire que ce bébé fait partie de la communauté des hommes et participe à la construction de son humanité. Bon, je vais peut-être aussi parler juste très vite de Léa, où on n'a pas le temps. On en reparlera peut-être. On en reparlera peut-être. Ce que je voulais peut-être dire, j'ai encore une minute. Une minute. C'est que peut-être ce qui est important pour le pédopsychiatre, c'est qu'il puisse rencontrer des enfants, des bébés, des enfants, des adolescents. Je voulais parler des enfants qui sont malheureusement placés, du harcèlement et de l'inhumanité de l'adolescent. Mais je voudrais juste terminer pour parler de cette question de comment rencontre-t-on un enfant. Pour moi, savoir rencontrer l'autre, c'est sans contexte le premier pas de toute humanité. Mais savoir rencontrer l'autre, ce n'est pas rien. Rencontrer, c'est peut-être tout simplement prendre les autres tels qu'ils nous viennent et s'occuper d'eux tant qu'ils en ont besoin, sans rechigner à la tâche et sans rien attendre en retour. Ce n'est pas une idée qu'on se fait, c'est une action au jour le jour. Savoir rencontrer l'autre, pas une rencontre virtuelle, hein. Pas une empathie, non, une rencontre. Et c'est vraiment fondamental pour moi. La rencontre, c'est tenter justement d'essayer de retrouver l'enfant là où il s'est perdu. Et ça, c'est pour moi fondamental, de pouvoir rencontrer l'autre. Voilà, je pourrais peut-être en dire un peu plus tout à l'heure, mais cette rencontre avec l'enfant, c'est pour moi finalement tout le cœur de mon métier qui va participer à aider l'enfant à être un être humain. Merci. J'arrête là. Aider l'enfant parce qu'il faut l'accompagner. On l'a vu, ces enfants qui demandent la protection des adultes parce qu'ils ont conscience de leur vulnérabilité. C'est un mot, bien sûr, qui vous parle, Joseph Cohen, en tant que philosophe. Quand on parle de l'humanité de l'enfant, c'est d'ailleurs le premier mot que vous m'avez dit quand on a échangé pour préparer ce colloque. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur, pour cette très, très belle première conférence au sein de cette table ronde. Je souhaiterais à mon tour remercier vivement et très chaleureusement l'association La Voix de l'Enfant. Madame Martine Brousse, merci beaucoup. Madame la Présidente, pour cette invitation qui m'honore. Évidemment, comme mon collègue, il est difficile de circonscrire tout ça en 10 minutes, mais je vais faire de mon mieux. C'est difficile pour un philosophe, mais enfin bref, on va faire au mieux. En révisant, en préparant cette rencontre et parmi quelques lectures hier, avant-hier, dans les semaines qui ont précédé notre rencontre aujourd'hui, je suis tombé sur un très beau texte hier, très tard dans la nuit, de Patočka, de Jan Patočka, qui est un philosophe tchèque. Et je pensais que c'était tout à fait approprié, non seulement vu le contexte, mais aussi par rapport à notre titre, hein, Humanité de l'enfant, de citer ce petit mot de Patočka. Patočka dit « L'humanité inhérente à l'enfance est conséquemment son droit propre et celui d'exiger la paix. » Patočka écrit cela après la bataille de Prague. Et évidemment, Patočka s'inscrit ici à contre-courant d'une tradition philosophique immémoriale, tradition philosophique héraclitéenne, qui a fait de la philosophie le lieu de la guerre. Héraclite définit la philosophie comme le lieu du polémos, donc de la guerre. Patočka, qui était lui-même un élève de Heidegger, qui était un philosophe habitué au ton guerrier en philosophie, Patočka reprend l'entièreté de l'histoire de la philosophie et se tourne vers l'enfant pour redéfinir ses contours, redéfinir les contours de la philosophie et en faire une exigence de paix. J'ajouterais modestement à la citation de Patočka que le respect de cette exigence, le respect de ce droit, eh bien, c'est notre devoir. C'est à partir de ces deux directions, exigence de paix et devoir, qui nous incombe d'honorer cette exigence de paix qui nous vient de l'enfance, que, quant à moi, j'aimerais situer l'énorme question de l'humanité de l'enfant selon trois thématiques,
Donc la vulnérabilité, cela a été rappelé, la vulnérabilité tout d'abord. Vulnérabilité, qu'est-ce que la vulnérabilité ? La vulnérabilité, dans une tradition que je qualifierais de lévinassienne, de philosophe français, Emmanuel Lévinas, la vulnérabilité, c'est tout d'abord l'exposition à l'autre, une exposition inconditionnelle à l'altérité de l'autre. D'abord, aux autres humains, et donc je suis redevable à mon cher collègue d'avoir parlé du langage, parce que cette rencontre, cette exposition à l'autre, pardon, aux autres humains, se fait d'abord et avant tout par le langage. Et puis ensuite aussi, exposition à l'autre, c'est-à-dire exposition à la nature, au contexte, à l'environnement. Je crois que c'est un point très important. Je pense que l'enfant, l'enfance, a grandement à nous apprendre sur notre vulnérabilité face à l'environnement. Nature, contexte, environnement, c'est-à-dire aussi, au sein de cette exposition à la nature, au contexte, à l'environnement, eh bien, cette volonté de comprendre, cette volonté d'explorer, d'expérimenter presque, que je pense très importante chez l'enfant, au cœur de l'humanité de l'enfant, et c'est peut-être quelque chose que nous avons perdu avec, et là je me réfère évidemment à Rousseau, avec l'avènement d'une rationalité qui se veut souveraine, ou en tout cas maîtresse de la nature. Vulnérabilité, donc ce sera ce premier point, en rappelant aussi que cette vulnérabilité, chose que nous avons peut-être, nous, perdus, nous qui sommes sortis de l'enfant, de l'enfance, rappeler aussi que l'enfant, c'est bien l'autre en nous. Hein, cela l'a été rappelé par monsieur le député au tout début. Nous avons oublié d'être des enfants. Eh bien, il faudrait peut-être se rappeler, à partir de cette vulnérabilité propre à l'enfant, cette vulnérabilité que nous aurions perdue, retrouver cette vulnérabilité, c'est peut-être prendre conscience que l'autre, c'est d'abord et avant tout l'enfant en nous, avant d'être l'autre homme ou la nature. Deuxième élément phénoménologique, hein, pardonnez-moi, hein, je procède de méthode philosophique. Deuxième élément presque phénoménologique que je souhaiterais apporter à la discussion, c'est l'hésitation. Qui n'a pas été étonné, voire effrayé, par l'hésitation de l'enfant, l'hésitation chez l'enfant ? Hésitation qui est non pas une hésitation qui procéderait par jugement réflexif, mais par une certaine répétition de l'étonnement. Chez l'enfant, on est étonné nous-mêmes de voir l'étonnement et l'émerveillement se répéter, se réitérer. Donc, deuxième élément que je souhaiterais ici apporter donc à la discussion, ce serait celui de cette hésitation qui serait différente de notre hésitation, hein, complètement protégée par un jugement évaluatif, mais plutôt par une répétition, une réitération de l'étonnement. Que voudrait dire donc une forme de savoir qui serait la répétition, la réitération de l'étonnement au lieu de l'imposition de critères d'évaluation, par exemple. Et troisième élément phénoménologique que j'aimerais apporter ici aussi à la question de l'humanité de l'enfance ou de l'enfant, c'est l'inventivité. L'inventivité que je lis évidemment en conséquence à la vulnérabilité et à l'hésitation. Inventivité, je souhaiterais la définir en me référant maintenant un philosophe qui philosophait comme un enfant, c'est Nietzsche, philosophait comme un enfant, et qui, ce qui ne l'empêchait pas d'être un grand philosophe du soupçon, mais qui philosophait comme un enfant néanmoins, c'est-à-dire inventivité, c'est-à-dire création de mondes possibles où se tissent des hypothèses variées, parfois contradictoires, mais faut-il avoir peur de la contradiction ? Je ne le pense pas, sur notre vivre ensemble. Je me réfère à Nietzsche ici, évidemment, parce que Nietzsche déploie au cœur de ce qu'il appelle le surhomme, mais qui est un retour à l'enfance. Le surhomme, ce n'est pas du tout
un être souverain, au contraire, c'est un être profondément fragile pour Nietzsche. Inventivité parfois contradictoire, d'hypothèses variées, différentielles, qui pourraient définir ce que nous appelons liberté. En écoutant Madame la Présidente, qui a rappelé la belle devise républicaine de notre pays, hein, liberté, égalité, fraternité, je serais tenté ici de, non pas remplacer, mais supplémenter, excéder ces trois beaux mots par vulnérabilité pour fraternité, hésitation pour égalité, inventivité pour liberté. Ici, je me dois, et je vais conclure, parce que je vois bien que le temps court, je vais conclure par, quant à moi, un certain appel à l'éducation. Parce que je crois que s'il y a un lieu où le langage peut s'incarner, doit s'incarner, eh bien, c'est bien dans l'éducation. Et je ferai donc un appel, car je crois qu'il faut protéger et essayer de réveiller par l'éducation ces trois petits éléments que j'ai rappelés, vulnérabilité, hésitation, inventivité. Alors évidemment, ce n'est pas une éducation surplombante, ce serait peut-être une éducation de la bienveillance, hein, de la bienveillance envers l'enfant, qui se proposerait non pas d'instruire, mais d'éveiller ou de réveiller l'enfant à la vulnérabilité, à l'hésitation, à l'inventivité. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Comment reconnaître du coup cette fragilité, cette vulnérabilité de l'enfant sans pour autant l'instrumentaliser? C'est l'un des enjeux de la loi Flore Capelier et de son évolution. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour cette invitation qui évidemment est très précieuse parce que les tribunes qui permettent de croiser les regards comme aujourd'hui sont à la fois rares et très intéressantes. En effet, l'intervention que je vais vous proposer aujourd'hui s'appuie sur à la fois les travaux de l'Observatoire national de protection de l'enfance et des travaux de recherche que j'ai pu mener en tant que membre associé au CERSA, au Centre de recherche de sciences administratives, sur la question des droits de l'enfant au sein des politiques publiques. Je vous explique tout ça simplement parce qu'aujourd'hui, la question des droits de l'enfant et au regard des différents enjeux et de la complexité de la matière, quand elle est vue de manière pluridisciplinaire, comme c'est le cas aujourd'hui, appelle différentes réflexions au sein du droit. On avait évoqué un titre autour de l'enfant à l'épreuve du droit, et on est bien sur ces questions quand on cherche à avoir une approche juridique qui soit ouverte aux autres disciplines. Par ailleurs, le sujet est d'actualité à la fois en raison du contexte géopolitique, mais aussi pour le mois de février, avec pas moins de 3 lois qui impactent le dispositif de protection de l'enfance, et puis la nouvelle stratégie pour les droits de l'enfant 2022-2027, adoptée par le Conseil de l'Europe le 23 février dernier. Donc il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte quand on s'intéresse à la question des droits des enfants. Peut-être sur cette question aussi, mon parti pris sera d'essayer de vous montrer en 10 minutes et peut-être de lancer du coup plus de questions que de réponses, mais les tensions qui existent dans ce domaine-là entre d'un côté les droits de l'enfant, le respect de l'autorité parentale et plus largement la responsabilité des adultes qui entourent l'enfant au sein de la sphère privée et puis la poursuite de l'intérêt général par des services publics qui appellent du coup à s'intéresser à la fois au droit national mais aussi au droit international. Et donc différentes dimensions à prendre en compte et différentes tensions à l'œuvre quand, in fine, on s'intéresse à la manière concrète de garantir des droits à ces enfants. Donc la volonté, évidemment, de favoriser les droits de l'enfant, de le reconnaître comme sujet de droit et du coup de pouvoir avoir ce travail autour de sa possibilité d'explorer le monde, d'avoir aussi un exercice progressif de ses droits. En droit français, hein, le Code civil rappelle que le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de 18 ans et à ce titre encadre sa capacité juridique. Il est dans ce cadre soumis à la représentation légale, en principe, de ses pères et
et mères. C'est évidemment important de voir comment l'équilibre se joue ici entre droits de l'enfant et droits des parents à son égard, puisque l'autorité parentale est définie désormais par l'article 375-1 du Code civil comme un droit à fonction, c'est-à-dire que l'autorité parentale, je cite le texte, est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc ça fait dire en effet à certains juristes que c'est un droit fonction, puisque ce droit n'existe pour les pères et mères que dans la mesure où ces derniers poursuivent l'intérêt de l'enfant. Le texte ajoute, elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Et donc, dans ce cadre-là, la formulation est importante, elle n'est pas anodine, puisque aujourd'hui, le droit prévoit pour l'autorité parentale ses différentes missions visant à protéger l'intégrité physique et morale de l'enfant, mais aussi plus largement son développement. C'est exactement la même formulation qui fonde aujourd'hui l'intervention des services de l'aide sociale à l'enfance ou l'intervention d'un juge des enfants quand l'exercice de cette autorité parentale ne se fait pas à bon escient et que les droits de l'enfant sont menacés. Par ailleurs, et j'en finis avec le texte, mais je pense qu'il est important pour comprendre les tensions entre droit de l'enfant et respect de l'autorité parentale, le texte ajoute que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Et donc je reviens aussi à ces éléments autour du droit d'expression de l'enfant, de l'importance de prendre en compte sa parole et de le faire de manière adaptée, ce qui pose en fait finalement en droit la question, au-delà de son incapacité juridique, de sa capacité de discernement. Capacité de discernement, qui est une notion particulièrement sensible à définir, faite de nuances. La Cour de cassation, pour vous donner un exemple, rappelle dans un certain nombre de jurisprudences que cette capacité de discernement, elle doit être interprétée en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant, mais aussi en fonction de la question qui lui est posée. C'est-à-dire que cette capacité de discernement pour un enfant de 7 ans dans une situation donnée ne sera pas la même si on l'interroge autour de sa famille par un juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou autour de questions patrimoniale qui existerait par ailleurs. En droit interne, donc, déjà des premiers éléments sur la manière dont s'articulent les droits de l'enfant et l'autorité parentale, et évidemment un certain nombre de droits aussi sous l'angle international. Alors, les enfants m'aident beaucoup pour tenir les 10 minutes, parce qu'ils ont fait une liste assez exhaustive des droits qui figurent dans la Convention internationale des droits de l'enfant, celui de l'identité, à la vie privée et familiale, à l'éducation, aux loisirs, mais aussi le droit contre toute forme de violence, et ils l'ont dit aussi, c'est l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Je vais m'arrêter, moi, sur l'article 12, qui est le droit de l'enfant capable de discernement d'être entendu, justement. Pour vous rappeler la formulation de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'idée est que les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Alors on peut être rassuré de ce côté-là que le droit international et le droit français aient des formulations proches. Toute la question est évidemment la question de son effectivité et de la manière dont on peut le mettre en œuvre, à la fois du coup au niveau de la sphère familiale, mais aussi plus largement au niveau de la sphère publique. Ça me renvoie à une seconde question qui est très transversale à l'ensemble des propos qui ont été tenus ce matin, autour de la question de savoir comment les droits de l'enfant s'articulent, non seulement au regard de la responsabilité des adultes qui entourent l'enfant dans son environnement proche, mais aussi plus globalement au sein de la société. Et on voit apparaître du coup une nouvelle série de tensions sur cette question-là, autour de savoir qui est compétent et responsable du plein épanouissement de l'enfant. Et un certain nombre de réponses en droit qui montrent toute la nuance qu'on essaye de chercher pour répondre à la complexité du sujet. Le droit, c'est des normes générales et impersonnelles qui s'appliquent à tous. Et là, on vise à chercher le plein épanouissement dans des situations singulières d'enfants qui ont des personnalités et des envies différentes. Le préambule de la Convention internationale des droits de l'enfant, je vais vous lire ici aussi la phrase parce que je suppose qu'en droit, l'apport est de pouvoir donner des éléments juridiques sur la manière dont les
questions philosophiques et plus sociologiques ou sociétales sont pensées, le préambule de la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle que, convaincu que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté. Et on voit bien dans cette formulation la manière dont s'organisent les choses et les différents recours qu'il peut y avoir, avec même peut-être une forme de subsidiarité entre les solidarités publiques et les solidarités familiales, mais la volonté que la famille s'occupe de l'enfant et que la société dans son ensemble soutient cette famille pour s'occuper de l'enfant dans la mesure du possible, voire intervient directement auprès de l'enfant pour protéger ses droits quand ce n'est pas possible. Ça appelle une compétence partagée entre les acteurs publics et privés autour de l'enfant, une compétence partagée qui en France se traduit de manière particulière en raison de la décentralisation de l'action administrative française et du lien entre l'État et les collectivités territoriales. Décentralisation, je vais prendre l'exemple de l'aide sociale à l'enfance parce que je pense que c'est une des compétences qui gagne à s'articuler avec les compétences régaliennes de l'État au titre de l'éducation nationale ou encore de la justice, mais en 1980, on décentralise l'aide et l'action sociale, et à ce titre, on décentralise l'aide sociale à l'enfance. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de loi récente sur les questions de centralisation ou décentralisation. Le 5 mars 2007, la loi, dans son exposé des motifs, confirme que le département est chef de file de la protection de l'enfance, et les lois plus récentes reviennent, elles, sur l'idée d'une compétence partagée État-département pour protéger les enfants en danger. Cette question, elle n'est pas anodine, parce qu'elle pose finalement celle de la nature des droits que l'on reconnaît aux enfants. Est-ce qu'il s'agit de droits créances au titre de l'aide et de l'action sociale, droits créances aussi pour les familles, et avec l'idée que du coup ça fait partie des politiques sociales au sens large, ou est-ce qu'il s'agit de droits et libertés fondamentales qui doivent être garantis par l'intervention d'un juge des enfants, parce qu'il y a une menace autour des libertés individuelles de cet enfant et de cette famille, et notamment du droit de vivre en famille et du droit à la vie privée familiale. Et dans ce cadre-là, comment les différents éléments s'articulent et comment ces deux logiques finalement vivent ensemble et coexistent ensemble en fonction de la diversité des situations individuelles. Je vais essayer moi aussi de tenir les 10 minutes et donc de conclure, simplement pour dire que les différentes réflexions que je viens de vous proposer sous l'angle juridique sont à mettre évidemment en lien avec leurs conséquences très pratico-pratiques, et peut-être donner quelques chiffres qui seront publiés très prochainement par l'Observatoire national de protection de l'enfance, mais pour rappeler qu'au 31 décembre 2020, c'est plus de 300 000 mineurs qui ont une intervention au titre de la protection de l'enfance, dont près de 70 000 qui sont accueillis, que par ailleurs, c'est 32 000 jeunes majeurs qui sont suivis au titre de l'aide sociale à l'enfance, et qu'entre 2019 et 2020, ce chiffre est en augmentation de 30% en regard principalement des enjeux posés par la crise sanitaire, mais aussi des dispositions récentes prises par le législateur sur le sujet, pour un budget de plus de 8,9 milliards d'euros quand on regarde simplement les dépenses départementales, auxquelles il faudrait bien sûr ajouter l'ensemble des dépenses régaliennes au titre des différents services qui visent à protéger et à garantir le respect des droits des enfants ou même à les mettre en œuvre. Par ailleurs, et dans les travaux qui seront publiés au début du mois de mars de l'Observatoire national de protection de l'enfant, je rebondis sur un propos qui a été tenu en introduction autour des disparités locales, et on voit bien ce sujet très fort dans les statistiques quand on a une analyse de ce côté-là, puisque quand on regarde simplement le taux de prise en charge des enfants pour lesquels il y a une intervention de protection de l'enfance par rapport à la part des mineurs dans la population générale, on voit que ce taux de prise en charge varie de 1 à 4 en fonction des départements. Évidemment, il faut être très prudent sur l'analyse de ces statistiques en fonction des contextes politiques, budgétaires, plus largement sociologiques, des actions aussi menées en termes de prévention et de repérage. Mais on voit bien que les enjeux devant nous sur la question de l'humanité des enfants sont nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flore Capellier. Merci à vous trois. Monsieur Le Boeck, vous aviez, je crois, une question. Est-ce que Sabrina, est-ce que vous pouvez apporter le micro à monsieur le député ? Super, merci beaucoup pour vos témoignages à tous les trois. Je crois que ces regards croisés nous nourrissent énormément, et c'est ça qui est chouette, et merci encore pour l'organisation de la Voix de l'Enfant. Je rebondirai sur vos derniers propos, vraiment, Flore Capellier, sur
cette question de l'accès aux droits et de l'écoute des enfants de façon structurelle. Vous avez parlé de la Convention internationale des droits de l'enfant, de mémoire, avec quatre grands principes directeurs. La question, évidemment, de l'intérêt supérieur de l'enfant, la question de la non-discrimination, la question du droit à la vie et même à la survie. Je crois que dans le texte, en tant que tel, il y a même le droit à la survie. Ça me fait encore penser, M. Cohen parlait des événements en Ukraine, et il y avait un témoignage hier soir d'une famille dont la femme est une famille franco-ukrainienne, dont la femme était proche d'accoucher. Ils étaient en train de se terrer dans des blocos, dans des stations de métro transformées en zone de protection. On voit là qu'il va y avoir des situations d'enfants terribles et de droit à la vie et donc à la survie. Mais le quatrième point directeur de cette Convention internationale des droits de l'enfant, de mémoire, c'est aussi la question de l'écoute de l'opinion de façon structurelle et structurée de l'enfant. Et je voulais vous interroger ici, du coup, sur l'aspect plutôt français, le lien avec la loi française, et finalement, ce transfert et cette écoute d'enfants, je pense qu'on pourra la faire beaucoup mieux, parce qu'on parle des lois actuelles, mais moi j'interrogerai plutôt sur les lois de demain. Vous avez parlé de mémoire de deux ou trois lois qui concernent les enfants, mais moi finalement, toutes les lois ne devraient, la question c'est pour provoquer, toutes les lois ne devraient-elles pas intégrer cette voie de l'enfant? Si oui, comment? Pour être en cours de discussion, je le disais tout à l'heure avec François Taddeï, l'avoir vu quasiment toutes les semaines, le revoir la semaine prochaine, François Taddeï pose une question. Et si nous ouvrions aux enfants le droit de proposer de nouveaux droits? Et moi, c'est la question que je pose. Comment on pourrait le faire? Il y a une des propositions qui sera dans le bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est: est-ce qu'on ne doit pas, à l'image de la délégation aux droits des femmes, faire une délégation dont il faudrait bien être précis sur le nom, aux droits de l'enfant, à l'écoute et aux propositions de l'enfant? Si oui, quelle forme? Et je finis juste pour dire, avec évidemment une forme très intéressante où les enfants pourraient directement participer. Je sais qu'il y a des comparatifs, c'est là-dessus que je finirai ma question. Est-ce qu'il y a des comparatifs internationaux de la participation formelle des enfants pour vraiment contribuer à une belle construction des lois futures? Flore Capellier, peut-être. Alors, il y a beaucoup de sujets et sur le plan juridique, c'est ma thèse, donc je suis absolument passionnée, mais j'ai mis 5 ans à essayer de faire le lien, donc je vais essayer de vous le résumer pour pas endormir tout le monde. Peut-être il y a une question là autour du statut juridique de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans les textes qui ont été modifiés au fil de l'eau et par des lois successives une question autour de la conciliation entre l'incapacité juridique, la capacité de discernement et plus largement un certain nombre de droits qui peuvent à partir de 16 ans être des droits propres ou un statut de prémajorité. Il y a beaucoup de travaux là-dessus et d'enjeux autour du juste équilibre à trouver, et évidemment ça joue sur la capacité de savoir quelle place on donne à la parole de l'enfant en fonction de ce cadre normatif. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi un sujet plus global sur la manière d'appréhender en droit la question du statut de l'enfant en tant qu'usager des services publics, avec des règles différentes en fonction des services publics, et donc des questions autour de la manière de systématiser, y compris dans la loi, le recueil de son avis, de sa position, sa prise de parole, et la question que vous avez soulevée des professionnels qui reçoivent de cette parole, de la manière dont ils la reçoivent et de la manière aussi dont ces enfants sont appelés à s'exprimer. Sur le deuxième volet plus opérationnel de comment faire collectivement pour entendre la parole collective des enfants et pouvoir en tirer un certain nombre de choses. Moi, j'étais à Paris avant à l'aide sociale à l'enfance, et on avait mené ça au niveau local, au sein de l'Observatoire parisien de protection de l'enfance, sur des initiatives de participation collective. Aujourd'hui, l'Observatoire national de protection de l'enfance travaille sur ces questions avec l'idée de remettre en juin un document avec des recommandations sur le sujet. Il y a différents départements qui se sont lancés dans ces démarches. Au niveau national aussi, il y a eu certaines démarches qui sont aujourd'hui des démarches assez ponctuelles. Au niveau du Conseil de l'Europe, il y a aussi des choses très intéressantes sur des participations collectives d'enfants, avec toujours la question de la distinction entre consultation et participation, à mon sens. C'est-à-dire qu'on peut faire des grandes opérations de consultation. Si on veut faire participer les enfants, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut être moins pour avoir de la participation. Enfin, je pense, c'est un parti pris de ma part, mais si on veut que les enfants co-construisent, participent, s'approprient le sujet, ça veut dire qu'il faut des actions sur un temps long et qu'il faut aussi voir...
quelle est exactement leur compréhension de la manière et de l'endroit où leur recueil leur parole est recueillie pour pouvoir fonder des politiques publiques autour de cette parole, mais en ayant vraiment l'avis et les propositions des enfants. Donc ça pose un certain nombre d'enjeux, mais qui sont absolument passionnants et déterminants. Donc je vous rejoins. Merci beaucoup, Fleur Capelier. Vous parlez justement du discernement de l'enfant, de systématiser le recueil de son avis. Et c'est une question très importante aussi dans le soin. Comment est-ce qu'on obtient le consentement d'un enfant au soin ? Dans quelle mesure ça intervient ? En moins de 10 minutes. Mais comment on promeut l'écoute et le consentement aux soins ? C'est une question centrale. Et c'est vrai que l'enfant peut toujours, et c'est notre travail, être l'objet de soins. Objet de soins. Toute la question, c'est à partir de quand il est sujet d'une parole. Et comment, justement, on ne soit pas uniquement dans la mise en place de projets pour prendre en compte l'enfant comme un objet de soin, et on va être plein de soignants à s'occuper, mais jusqu'où on peut individuellement s'occuper de sa parole, de ce qu'il en dit, de sa souffrance et évidemment de son bien-être. Et ça, c'est notre travail au quotidien. Je pense que les professionnels sont formés à ça. Et donc d'essayer, mais avec quelle complexité, de savoir ce qu'il en est de son discernement, de son consentement. On a fait des travaux avec Martine Brouche sur justement la question du consentement à une activité sexuelle, par exemple. Enfin, bon, bref, c'est d'une complexité folle, parce qu'elle rencontre le droit, etc. Et donc, comment peut-on faire ? Au niveau, je crois, du cas par cas, du singulier, je pense que c'est fondamental. Et ça, il faut qu'il y ait une culture de l'écoute de la parole. Ça, c'est vraiment chez tous les professionnels. Puisque je disais, d'aller chercher l'enfant là où il s'est perdu, de le rencontrer là où il souffre. Et ce n'est pas en écrivant des protocoles, parce que je crois que le protocole, c'est le contraire de la rencontre. La deuxième chose, et peut-être c'est une proposition en tous les cas, c'est comment, en tout cas, écouter cette parole au sens collectif. Qu'est-ce que nous disent les enfants ? Comment les enfants vont mettre en avant je trouve ça très beau et très bien que vous ayez, en introduction du colloque, mais fait parler les enfants, parce que c'est vraiment leur parole, justement. Parce qu'il y a la voix de l'enfant, mais il y a la parole de l'enfant. Mais peut-être une façon, c'est de diminuer les clivages entre nos institutions. Parce que ça, je crois que c'est très important. Cette parole, l'enfant, il va la donner à l'éducateur, au prof de sport, au médecin, au psychologue, à l'enseignant, etc. Mais que, sur le terrain, cette parole, elle est morcelée, elle est écoutée à droite, à gauche, mais il n'y a personne, comme chef d'orchestre pour en faire quelque chose. Heureusement, les UAPED, justement, c'est une manière de manière pluridisciplinaire d'essayer d'en entendre quelque chose. Mais au quotidien, l'exemple que je voulais donner, c'était justement une petite fille placée à l'aide sociale à l'enfance qui malgré 5-6 professionnels autour d'elle, s'est retrouvée pendant 10 jours sans aucune nouvelle de personne. Et dans le vide. Et comme si personne, comme si elle était devenue un objet de soin, mais pas un sujet d'une parole. Et ça, je pense que tenter politiquement de diminuer les clivages, les logiques de chacune de nos institutions éducatives, sanitaires, médico-sociales, éducation nationale, etc., ça, ce serait un grand pas. Enfin, pour moi, en tous les cas. Je dirais d'un point de vue organisationnel et institutionnel. Oui, Fleur Capelier, la pluridisciplinarité, c'est aussi une notion qui est au cœur de votre préoccupation. Oui, je voulais juste rebondir du coup, parce que dans tous ces éléments-là, il y a aussi, si on est sur nos souhaits politiques sur le sujet, on parlait tout à l'heure de la question des travaux dans le champ de la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, les règles CNIL et RGPD sont une vraie difficulté pour les clivages qu'on rencontre entre les disciplines ou entre les institutions au niveau local. On les rencontre aussi parfois au sein de la recherche avec la difficulté, tout ce que je racontais sur l'accord des parents quand vous voulez faire des recherches sur les questions de maltraitance ou sur les questions même de protection de l'enfance. Le carcan juridique est tel qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal même, et donc ça joue aussi dans le recueil de la parole de l'enfant, parce qu'un des acteurs qui pourrait être force de proposition sur la manière de recueillir la parole des enfants dans un lieu neutre, etc., c'est aussi en partie les chercheurs et les universitaires qui travaillent sur ces sujets-là. Et là, il y a des difficultés très
très pratico-pratique et parfois juridique en lien avec la CNIL sur l'espace qui est ouvert pour travailler ces questions, pour croiser les regards. De la même manière, sur le partenariat en institution, ça demande de saisir le parcours des enfants sur le plan médical, sur le plan de l'aide sociale à l'enfance, sur le plan judiciaire. Et le croisement de ces données aujourd'hui est particulièrement difficile, même si elles sont entièrement anonymisées. Donc ça pose une question supplémentaire. Donc je me permettais de rebondir. Non, tout à fait. Et ça problématise beaucoup la recherche, par exemple, et donc les avancées. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental parce qu'aujourd'hui, on est en grande difficulté pour faire de la recherche sur la maltraitance. Oui, Joseph Cohen. Ça me permet de rebondir parce que ce que j'entends ici, c'est le grand problème de la reconnaissance. C'est le grand problème philosophique de la reconnaissance. C'est comment reconnaître la parole de l'enfant. Vous l'avez rappelé, l'infant, c'est celui qui ne parle pas. Et donc, comment reconnaître et comment sortir de cette logique qui ne reconnaît pas alors qu'elle devrait reconnaître précisément. Si je peux, et vous avez évoqué tous les problèmes liés au droit et à cette question de la reconnaissance. Peut-être pourrait-on avancer, peut-être que mon rôle ici en tant que le philosophe de la table ronde, ce serait de proposer, au lieu de la levée des clivages entre nos institutions, peut-être faudrait-il penser à ce que voudrait dire par rapport à l'enfant cette question de la reconnaissance, non pas fondée sur un universalisme qui nous réunirait et qui serait véhiculé par une certaine forme de langage, mais peut-être faudrait-il penser, et c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en philosophie à cause de son héritage universaliste, mais voilà, je vais lancer la proposition, peut-être qu'il faudrait penser à ce que voudrait dire une reconnaissance de la singularité. Par singularité, c'est un mot assez malvenu en philo. Hein. Sûrement pas en psy, mais en philo, c'est assez malvenu. Et dans l'univers de l'institution, hein, au moins depuis Adorno et Horkheimer, voilà, qui ont tenté avec la question de la singularité de faire trembler un peu l'universalisme, en tout cas l'universalisme abstrait qu'ils dénonçaient. Mais si je me permets cette idée, c'est parce que ce qui est très intéressant et ce qu'on peut relier entre la question de la singularité et la question de l'enfant, c'est que la singularité, qu'est-ce que ça veut dire d'abord et avant tout ? La singularité se définit comme un point qui déstabilise un système. C'est-à-dire en mathématiques, hein, une singularité, c'est un événement qui arrive au sein d'un système et qui déstabilise les coordonnées, l'ordination, l'ordre, la machine finalement, systématique d'un système préétabli ou prédéterminé. Peut-être que c'est ça l'humanité de l'enfant. L'humanité de l'enfant, c'est peut-être cette exigence, hein, je commençais avec cette exigence de paix, mais peut-être qu'on peut avancer sur l'idée de penser ou repenser ce que voudrait dire une reconnaissance qui ne serait peut-être pas basée sur la connaissance, mais qui serait basée sur une responsabilité, là je me réfère à Lévinas, une responsabilité envers la singularité, peut-être aller jusqu'à dire que cette singularité serait inconnaissable, somme toute, hein, et donc forcer l'universalité ou l'universalisme à se concentrer sur ce que voudrait dire l'apport d'une singularité chaque fois exceptionnelle, chaque fois nouvelle. Alors ça, ce serait un sacré problème de redéfinition du langage et par conséquent de redéfinition des institutions et des clivages ou de la levée des clivages. Alors ça, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ce serait une piste qui me semblerait intéressante. Peut-être pour rebondir sur cette notion, vous avez parlé de l'inventivité de l'enfant, Joseph Cohen. Aujourd'hui, est-ce qu'on a trop tendance à renvoyer l'enfant à sa condition de futur adulte et finalement lui imposer un cadre très contraint, peut-être trop. Tu comprendras plus tard, c'est une formule
qui revient fréquemment. Est-ce qu'on le renvoie à un être en devenir et pas à un être en puissance? Oui, alors ça, c'est... Attends, je me permets de répondre, mais évidemment... Oui, mais ça c'est enfin, l'histoire de la philosophie. J'aurais pu commencer par faire un bref exposé sur la situation, le statut de l'enfant dans l'histoire de la philosophie. Ce n'est pas très glorieux. Hein. C'est comme la femme ou le juif dans l'histoire de la philosophie. C'est toujours négatif. Et c'est toujours, oui, tu comprendras plus tard. Mais là, je vais me référer à Lévinas. Lévinas avait cette magnifique phrase qu'il tirait évidemment de l'héritage biblique. Lévinas disait que peut-être qu'il faudrait, au lieu de comprendre puis faire, faire puis comprendre. Tu feras puis tu comprendras. Peut-être qu'il faudrait, alors là je m'inscris dans la perspective très supra-éthique de Lévinas, hein, qui est déjà une difficulté en soi pour l'institution, je le reconnais bien. Mais en tant que piste de pensée, peut-être qu'il faudrait apprendre, nous, qui avons appris à comprendre puis faire, apprendre de l'enfant, et c'est peut-être ça la singularité dont on parlait un peu plus tôt, de faire, et puis ensuite comprendre ce faire. Ça, en tout cas, ça ouvrirait à une urgence de la responsabilité. Et vous parliez, madame, de la question de l'urgence. Hein. Une urgence de la responsabilité, ben c'est peut-être ça un enseignement précieux de l'enfant qui, en tout cas, démantèlerait cette idée que l'enfant est un adulte en devenir. Non, peut-être que l'enfant a déjà quelque chose à dire face à nous, adultes, qui avons oublié ce dire même. Oui, mais tout à fait d'accord. Et donc, de faire de l'enfant quelqu'un de responsable de oui. sa propre parole. Oui. C'est en tous les cas, moi, mon souci au quotidien de l'écoute, bien évidemment, comme tout professionnel, mais peut-être justement d'aller au-delà. Et à partir, c'est pour ça que j'insistais sur la rencontre au singulier, oui. parce qu'une rencontre, c'est toujours au singulier, en effet, de la rencontre de l'autre en tant que reconnaissance et donc en tant que responsabilité en même temps. Oui. Ce que j'ai appris, malgré tout, avec Martine Brousse, dans la commission où on a été sollicité pour reconnaître ce qu'il en était de la question, par exemple, du consentement de l'enfant, une sexualité avec un adulte, etc. Enfin, voilà. Au singulier, je peux en dire quelque chose. Et notamment, ça renvoie à la question de la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'il en est de cette vulnérabilité qui, pour moi, la vulnérabilité, c'est une figure de l'enfance. Eh bien, tout à fait, on peut raisonner en termes de vulnérabilité. Sauf que la loi, et la loi, elle n'est pas au singulier. Elle doit concerner tout le monde. Et que de mettre dans une loi la question du singulier, là, j'ai appris beaucoup dans cette commission, parce que quand on a remis notre rapport à Edouard Philippe à l'époque, il nous a dit, oui, mais enfin bon, on ne peut pas faire une loi qui, il y a les 14 ans, puis les 15 ans, puis les 16 ans, puis il y en a à 15 ans, ils ont une maturité qui, puis d'autres non. Enfin, moi, j'ai été amené là à me rendre compte, je dirais pratiquement, de ce qu'il en était de la question du singulier et en même temps de la loi, du pluriel, du politique, qui une loi s'applique à tout le monde. Liberté, égalité, enfin voilà. Et là, il y a quelque chose d'un nœud à penser, en tous les cas, entre nous. Oui, Flore Capellier. Et pour continuer l'échange, du coup, je pense que du coup, derrière ça, il y a un sujet très intéressant autour de la normativité des droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des droits de l'enfant en droit international, en droit européen, dans le droit national. Il y a les droits saisis par la jurisprudence, par les juridictions, pour saisir justement un certain nombre de notions. Et puis, il y a peut-être une infranormativité aussi. On réfléchit beaucoup à ça dans un séminaire à l'Institut Sciences Politiques de l'École normale supérieure de Cachan, autour de cette place de la normativité qui serait infra-juridique, pour le dire rapidement, mais tout ce qui est fait dans les liens, enfin, vous parliez de la rencontre, de la confiance, etc. Et là, il y a différentes dimensions. Et comment, à un moment, donc, ce droit dans la loi, dans les textes réglementaires, peut aider à ce que ces rencontres se fassent et, en tout cas, ne soient pas un obstacle à la rencontre et à ce que ça se fasse, et avec en plus plusieurs dimensions qui aujourd'hui ne sont pas, à mon sens,
poussé en tant que tel par le droit, parce qu'il y a différents volets aussi de, ce recueil de paroles. Il y a le recueil de paroles sous l'angle de la consultation, qu'on peut avoir à des moments donnés, sur des questions données, sur des périmètres plus ou moins larges. Et puis, il y a cette question de la participation qui peut être individuelle dans les liens avec chacun, d'une participation de l'enfant auprès d'un professionnel, mais qui donne une dynamique collective à un ensemble de professionnels qui interviennent dans une situation donnée. Et puis, il y a des degrés de participation aussi plus collectifs. On peut penser aux conseils de vie sociaux, même s'ils ont du mal à se mettre en place dans les établissements et services, mais aussi à des consultations peut-être plus politiques qui existent sous certains formats au niveau européen ou au niveau national, si on pense à la démarche de Gauthier Arnaud Melchior, mais du coup, et peut-être d'une participation collective. Vous parliez tout à l'heure de construire des propositions pour que les enfants soient force de proposition sur leurs droits et les droits à faire valoir. Et donc là, différents degrés et aussi du coup peut-être différentes manières de faire et différentes manières de normer sans rigidifier ces différentes initiatives. Donc les enjeux sont nombreux. On va peut-être conclure sur cette réflexion-là, normer sans rigidifier. Je vais remercier les trois intervenants de cette table ronde, Joseph Cohen, Flore Capelier et Philippe Duverger. Je les invite à rejoindre la salle. On peut les applaudir. Je vais inviter les intervenantes et intervenants de la deuxième table ronde à me rejoindre en tribune. Et j'en profite pour revenir sur peut-être quelques éléments essentiels de cette première intervention. Peut-être cette nouvelle devise de l'humanité, hein, après la devise républicaine française, la devise de Joseph Cohen pour l'humanité de l'enfant, vulnérabilité, hésitation, inventivité. Et puis cette introduction à notre prochaine table ronde qui est sur l'effectivité des droits de l'enfant, ces chiffres que nous a donné Flore Capelier, la directrice de l'ONPE, avec 170 400 enfants accueillis par la protection de l'enfance à fin décembre 2020, la moitié qui sont accueillis et un taux de prise en charge qui varie de 1 à 4 au sein des conseils départementaux, ce qui montre les différences d'accueil au sein de la protection de l'enfance et de l'aide sociale à l'enfance, qui est une compétence des départements, des conseils départementaux. Notre deuxième table ronde de la journée, vous l'avez compris, est consacrée à l'effectivité des droits de l'enfant. Nous accueillons nos intervenants. Vous avez à ma gauche Stéphane Duval, le directeur de la vie active qui accueille les mineurs non accompagnés dans le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. Christelle Rocheteau, la directrice de l'association SOS Enfants. Alors, il faut activer vos micros. Parfait. Sophia Noirani, présidente de l'Académie Football Club Paris, Football Paris 18, pas Football Club. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Nathalie Vabre, la pédiatre et coordinatrice de l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger du CHU de Nantes. Bonjour. Bonjour. Et on va ouvrir cette table ronde sur l'effectivité des droits de l'enfant avec vous, Christelle Rocheteau. Sur ce droit fondamental, qui est le droit à une identité, comment est-ce qu'on peut garantir aujourd'hui le droit à une identité, c'est-à-dire un état civil, pour chaque enfant ? Alors, c'est un vaste sujet. D'ailleurs, ça va être difficile de reprendre la parole derrière les trois intervenants précédents qui étaient passionnants. Donc, je vais essayer de maintenir l'attention sur cette question. En fait, c'est un vrai serpent de mer, l'état civil. Ça paraît évident ici, on est, et quelques heures après, on est inscrit sur un registre d'état civil, et à ce moment-là, à partir de cette inscription, ben, on peut écrire notre vie, parce que c'est tous les droits qui vont pouvoir être accessibles. Le premier des droits de l'enfant, c'est être inscrit sur un registre d'état civil. Alors ça paraît ici très, très évident, c'est loin d'être le cas. Beaucoup d'associations, beaucoup d'institutions internationales se sont, pardon pour l'expression, mais cassé les dents sur cette problématique depuis une vingtaine d'années.
Même l'UNICEF qui parle beaucoup d'état civil, en fait, bon, c'est toujours des... Les chiffres sont vertigineux et en même temps, ils sont forcément faux puisqu'on ne peut pas compter des enfants qui n'existent pas. Donc j'avais trouvé un texte où on disait que l'UNICEF disait que la moitié des habitants du continent africain n'avaient pas d'état civil. C'est sans doute vrai, c'est peut-être même plus que la moitié. Donc c'est, voilà, c'est un vrai serpent de mer. Donc je vais essayer de préciser ce que, même si ça peut paraître évident, mais ce qu'est une identité, aussi bien sur le plan personnel, individuel, mais aussi sur le plan de la société. Sur le plan individuel, ça, c'est une évidence. Donc, c'est le premier des droits que l'on a en naissant. Ça vous donne le droit à une filiation. Ça vous donne le droit aussi à des accès à la santé, à un accès à l'éducation. Alors, on peut aller à l'école sans état civil, mais il y a toujours un moment où l'enfant va être bloqué dans son apprentissage parce qu'il y a toujours un moment où il devra fournir une identité pour passer un examen, par exemple, à la fin de l'école primaire. Donc, voilà, c'est toujours ce frein. Et puis, c'est aussi un droit à la protection. Alors, ça, la protection, on entend évidemment tout ce qui peut être exploitation des enfants, mais aussi sur un devenir de l'enfant, parce que souvent... Alors, on va souvent parler d'Afrique sur mon témoignage. Souvent, c'est le droit coutumier qui va primer sur tous les autres droits. Mais on connaît, moi j'ai vu plusieurs fois des droits des enfants, qui avaient, notamment sur la propriété, qui était totalement spoliée. À un moment, le père décède. C'est la famille du père peut, si elle le souhaite, rejeter sa belle-fille et les enfants. Et c'est des enfants qui vont se retrouver spoliés de leurs biens. Donc toute cette identité, elle est quand même très, très importante. Je pense qu'on ne peut pas se constituer si on ne sait pas d'où on vient, si on n'a pas la trace de sa filiation, même si on peut parler tout à l'heure d'enfants orphelins, mais il y a quand même toujours une petite histoire qui existe. Et puis sur l'État, enfin, comment un État peut se construire s'il n'a pas la connaissance de sa population ? Pourquoi construire une école dans tel endroit si on ne sait pas s'il y a potentiellement des familles ou des enfants qui y sont, construire un hôpital, construire des routes. Donc là, c'est une question... Il y a de plus en plus d'États qui s'intéressent maintenant un petit peu à ça, qui comprennent l'intérêt aussi d'enregistrer leurs enfants. C'est compliqué parce que ça demande de structurer des services. L'État civil, ça ne rapporte rien. On dépense, il faut salarier des personnes, il faut équiper des bureaux, mais concrètement, ça ne rapporte rien. Donc, c'est un investissement pour l'État dans le futur pour pouvoir planifier une politique. On a eu des exemples. Alors là, je vais sortir de l'Afrique. On avait eu un exemple il y a 15 ans à peu près au Népal. On est intervenu dans une zone très éloignée qui s'appelle le Dolpo. Alors, à l'époque, c'était en 2003, il fallait à peu près 17-18 jours quand on quittait Katmandou pour arriver au Dolpo. Donc, il fallait franchir plusieurs cols à 5000 mètres. C'était une vraie expédition. Encore aujourd'hui, c'est toujours une expédition pour y aller. Et on a construit une première salle de classe pour les premiers enfants, puis une deuxième salle de classe, une troisième salle de classe au fur et à mesure où les enfants grandissaient. Et à un moment, on s'est rendu compte que personne n'avait d'identité. Alors, on est sur une enclave tibétaine, donc ça appartient au Népal, mais il y a une forte prédominance tibétaine dans cet endroit-là. Donc, il arrivait quelquefois que les gens, quand ils se déplaçaient sur les montagnes, il n'y a pas une frontière très, très bien définie. Donc, ils arrivaient que quelquefois, ils sont ennuyés, ils ne pouvaient pas prouver leur identité. Et en fait, là, c'était un simple problème, on va dire, administratif. Donc là, c'est le cas idéal quand ça se présente comme ça, parce que pour être enregistré à l'état civil, il fallait parcourir 2 jours de marche. Donc, parcourir 2 jours de marche aller, 2 jours de marche retour, je vous passe tous les détails. Mais quand on n'y voit pas un intérêt prédominant, c'est vrai que les parents laissaient tomber et eux-mêmes n'avaient pas d'identité, donc c'était pas une question primordiale. Et on s'est rendu compte on a fait 2 campagnes. Alors, on appelle ça des campagnes de rattrapage. C'est pas très beau comme mot, mais c'est rattraper tous les enfants qui ont échappé à la durée légale de l'enregistrement à l'état civil. Et à partir du moment où on a fait ce rattrapage des enfants, l'État a repris ses fonctions. Rapidement, l'année suivante, on a eu une campagne de vaccination qui est venue, des médecins népalais qui sont venus rencontrer les enfants, faire les vaccinations nécessaires. On a eu du matériel scolaire qui est arrivé dans l'école.
Et puis, petit à petit, les enseignants ont été pris en charge par l'État. C'est-à-dire que par une simple action, finalement, ça devenait une action toujours individuelle. L'enfant avait effectivement bénéficié d'une identité, mais on avait aussi une action collective. Et c'était important de remettre, finalement, c'est aussi un peu le rôle des associations, de remettre dans les mains de l'État ce pourquoi il y a des défaillances à certains moments. Donc ça, c'est le cas idéal. Bon, c'est pas tout, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais c'est vrai qu'on constate de plus en plus quand même qu'il y a une volonté politique. Donc ça aidera pour faire avancer les dossiers. Il y a une volonté politique quand même, de justement, parce que les États, alors, en Afrique, ont aussi cette démarche maintenant de planification, et puis on leur impose aussi, peut-être certains bailleurs internationaux imposent aussi cette thématique. Donc je pense qu'il faut qu'on profite justement de cette porte ouverte. L'exemple du Rwanda, il y a quelques années, de manière très récente, il y a 5-6 ans, le Rwanda a décidé, et quand le Rwanda décide, en général, il se donne les moyens d'appliquer et de réaliser son projet. Le Rwanda a décidé de refaire ses campagnes de rattrapage d'état civil pour les enfants et pour les adultes. À partir du moment où on se donne les moyens financiers de le faire, les choses se mettent en place assez vite. Et aujourd'hui, bon, déjà, il n'y a plus d'enfants qui naissent dans les maisons ou dans les collines. Tous les enfants naissent dans une structure de santé. Donc ça permet aussi d'enregistrer les enfants dès la naissance, pour ne pas être toujours en train d'écoper un bateau qui fuit, qui prend l'eau de tous les côtés, parce que c'est ça, c'est agir sur l'état civil, c'est faire ce fameux rattrapage, mais c'est aussi agir au moment de la naissance, faciliter l'enregistrement des enfants au moment de leur naissance, pour ne pas être sans arrêt en train d'écoper. Donc voilà, il y a des volontés. Après, il y a aussi l'état civil, c'est aussi un sujet qui peut être sensible, parce que c'est aussi une nationalité. Donc là, c'est aussi des projets, des problèmes qui se répercutent. Stéphane en parlera sans doute ensuite. C'est des problèmes qui se répercutent aussi au-delà. L'enfant est un sujet de droit, on l'a dit et répété plusieurs fois. Ça impose aussi un cadre et l'accès à une nationalité. Ne pas avoir d'identité, c'est être apatride. C'est souvent un mot qu'on n'emploie pas, mais c'est ça. Et comment grandir, comment évoluer quand on n'est pas rattaché à un groupe, c'est aussi la complexité. Alors, on avait eu, alors c'est aussi un sujet qui peut être sensible, cet accès à la nationalité. On avait commencé dans les années 2004-2005 à faire ces campagnes de rattrapage dans une province au Congo, au Nord Kivu, qui est une province en guerre depuis 27 ans. Donc le problème de la nationalité est très présent. Quand on avait commencé à faire ces campagnes avec la voix de l'enfant en 2005, 2006, 2007, on était encore dans une période de guerre très 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 intense et on a été interpellé par plusieurs personnes de la diaspora congolaise en France et même rwandaise qui nous demandaient est-ce que vous êtes sûr que vous donnez l'identité aux bonnes personnes ? On est dans des zones où il y a beaucoup de déplacements de population. Et effectivement, là, ça devient aussi un sujet politique très, très sensible. Et c'est vrai que ce sujet d'état civil, c'est le serpent de mer. Mais je pense qu'il faut, et c'est bien qu'on puisse parler de l'état civil ici, à l'Assemblée nationale, parce que c'est un problème. On a l'impression que c'est un problème qui ne concerne que les États africains, mais c'est aussi un problème qui nous touche aussi ici. De plus en plus, quand les enfants, les familles bougent, migrent, et ce problème d'identité est aussi un problème qui nous touche ici sur les programmes, quand on voit les enfants arriver, comment déterminer leur âge, comment déterminer... Alors ça place aussi les enfants dans des responsabilités, mais ça fait partie de la construction, je pense, de l'humanité de l'enfant. Merci beaucoup, Christelle Rocheteau. Justement, cette question de l'identité administrative, Stéphane Duval, elle est au cœur de vos préoccupations quand vous accompagnez des MNA, des mineurs non accompagnés, justement, à la vie active dans le Nord-Pas-de-Calais, car l'un de vos enjeux, c'est d'assurer le respect de leurs droits. Et sans identité, c'est compliqué d'assurer le respect des droits d'un enfant.
Oui, tout à fait, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais effectivement, Christelle a parfaitement introduit mes propos. Merci. J'ai également fortement apprécié la première table ronde, hautement philosophique, hautement juridique et hautement pédopsychiatrique, j'allais dire. C'était vraiment très, très intéressant. Quand, effectivement, la Voix de l'Enfant m'a demandé éventuellement de participer à cette table ronde avec ce sujet qui est digne d'une dissertation, la primauté des droits de l'enfant sur ses origines, je me suis posé la question de savoir comment j'allais faire pour aborder ce sujet en 10 minutes, sachant que j'ai déjà perdu une minute, là. Plutôt que de le faire tout seul dans mon coin, je me suis tourné vers mon équipe, une équipe de professionnels, d'éducateurs, de juristes, de professeurs de français langues étrangères, de conseillers d'insertion. Et je me suis tourné vers les jeunes. J'ai un peu fait ce qu'a fait la Voix de l'Enfant en vidéo, sauf que moi, j'ai envoyé les éducateurs en leur disant « Allez voir les jeunes pour leur demander est-ce que vous avez le sentiment, alors avec vos mots à vous, que vos droits sont les mêmes que ceux des autres jeunes français sur votre situation ?» Et je vais simplement, alors je vais d'abord nommer deux ou trois jeunes qui ont fait des retours très pertinents. Le premier, c'est un jeune Afghan qui va avoir 18 ans là, très prochainement et qui n'était pas en possession d'un titre de séjour puisqu'il était mineur, donc il relève de la protection de l'enfance et par conséquent il est protégé. Donc on attend toujours, j'allais presque dire, le moment le plus opportun pour faire la demande de titre de séjour ou une demande d'asile qui peut prendre plusieurs mois. Et l'an dernier, ce jeune homme était en formation d'aide à la personne, le service de... Voilà, il travaillait dans les EHPAD, dans des établissements spécialisés. Et il fait un stage très concluant dans un EHPAD, très concluant. La directrice lui dit, écoute, cet été, moi, j'ai des personnes qui partent en congé, j'ai besoin de quelqu'un pour venir les remplacer, et voilà, donc je te propose de venir travailler. Le jeune est super content, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Sauf qu'on n'a jamais pu le faire travailler parce qu'il n'avait pas le droit de travailler en tant que mineur non accompagné parce qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour. C'est une première. Voilà. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait cette possibilité. Il y a des nouvelles lois qui sont arrivées dernièrement et qui rendent cette possibilité impossible. Quand vous allez sur le site pour vous inscrire en tant qu'étranger pour travailler... Vous avez tout, hein, il y a tous les documents, carte de séjour pluriannuelle étudiant, carte de séjour pluriannuelle salarié, etc., etc. Mineur non accompagné, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un mineur non accompagné, s'il n'a pas un titre, ne peut pas travailler. Alors qu'un Français, un jeune Français, peut très bien travailler sur ses périodes d'été, de vacances, etc. C'est tout à fait possible. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un jeune Guinéen qui a trouvé un contrat d'apprentissage il n'y a pas longtemps. Qui a fait une excellente immersion chez un plombier chauffagiste. Le plombier chauffagiste a été absolument époustouflé par ce jeune qui arrive à l'heure, qui repart à l'heure, qui travaille, qui s'investit, qui s'intéresse. Il l'a pris en contrat d'apprentissage. Ça fait 8 mois que le jeune travaille chez cet employeur. Ça fait 8 mois qu'il n'a pas pu toucher son salaire parce que ça fait 8 mois qu'on essaie de lui ouvrir un compte bancaire et qu'on ne peut pas parce qu'il n'a pas de pièce d'identité. Donc ça fait 8 mois qu'il stocke ses chèques dans le coffre-fort de l'établissement, qu'il me fait confiance, je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas il me fait confiance. Et c'est un deuxième élément qui concourt à dire qu'effectivement cette absence de pièces d'identité est un réel problème. Et le troisième, c'est un autre exemple, c'est un jeune, il s'appelle Mamadou, et il est inscrit dans un dispositif qui s'appelle Propulse, qui est une espèce de dispositif d'approche au contrat d'apprentissage, où on met les jeunes un peu en immersion, etc. C'est des jeunes un petit peu en difficulté, parfois avec le système scolaire, et donc nos jeunes peuvent aussi en faire partie. Et dans le cadre de ce dispositif, tous les jeunes qui sont intégrés peuvent bénéficier d'une subvention symbolique de l'ordre de 150 à 200 euros. Mais pas lui. Pas lui, parce qu'il n'a pas de compte en banque. Donc tous ses camarades ont 150 à 200 euros par mois, mais lui ne les a pas. Donc j'ai même été proposé le RIB de la structure en disant, bah, écoutez, on va prendre, nous, le salaire du jeune, enfin la subvention, et on lui reversera. Voilà, c'est impossible. Voilà, c'est pas possible administrativement de rendre ce processus comme ça.
Donc voilà, je vous ai pris trois exemples parce que c'est ce qui est remonté, mais les éducateurs, quand ils m'ont fait remonter leurs propos, ont été exactement dans le même registre. C'est-à-dire que la question de l'absence d'identité est un réel problème. C'est une difficulté majeure au quotidien pour nous. Et ce qui fait une différence entre un jeune Français, excusez-moi le terme, et un jeune mineur non accompagné qui vient d'un autre pays, qui n'a pas de pièce d'identité à fournir. J'ai beaucoup entendu parler de l'enfant depuis ce matin. C'est normal, c'est organisé par la voix de l'enfant, on parle des droits de l'enfant, c'est très important. Une fois, Mme Capelier a parlé de mineurs. Donc je pense qu'effectivement, moi, ce sont des mineurs, ça c'est évident. C'est une forme de vulnérabilité, je pense. Non accompagné, c'est donc une deuxième vulnérabilité. J'ai entendu parler de représentant légal. Représentant légal, pour ces jeunes, c'est en grande majorité le président du conseil départemental, puisqu'il s'agit d'une compétence du conseil départemental. Un deuxième point qui ne me paraît pas très logique dans cette histoire, c'est que dans la mesure où... Alors j'ai mon directeur général qui est dans la salle, ça va faire écho ce que je lui dis, parce qu'on a déjà longtemps discuté, c'est la question des prix de journée dans les établissements. Le prix de journée moyen d'un jeune dans un établissement de la protection de l'enfance, en France, on doit être aux alentours entre 150 et 180 euros à peu près, par jour et par enfant. Le prix de journée moyen d'un mineur non accompagné en France dans la protection de l'enfance, c'est aux environs 60-80 euros. Je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, en France, un mineur, excusez-moi, j'aime pas trop ce terme, mais pourtant c'est la réalité, coûterait moins cher ou plus cher qu'un autre. Pourquoi des mineurs non accompagnés ne pourraient pas bénéficier de la même protection que tout autre enfant français ? Et de la question de l'humanité de l'enfant se pose aussi la question, monsieur en a parlé tout à l'heure, de l'universalité de l'enfant. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'effectivement un enfant qui vient du Mali, de Guinée, d'Afghanistan, de Pakistan, qui est en France, en situation de vulnérabilité, pourquoi est-ce que cet enfant ne pourrait pas bénéficier du même droit et de la même prise en charge qu'un autre enfant ? Sur, j'ai plusieurs casquettes, donc je travaille effectivement, on accueille à peu près 130 jeunes mineurs non accompagnés, et j'ai également une autre casquette qui est responsable, enfin, directeur du dispositif humanitaire à Calais, là où j'ai rencontré Martine il y a quelques années maintenant, ça remonte. Et forcément, sur la question de la primauté des droits de l'enfant sur ses origines, je ne comprends pas. C'est beaucoup d'incompréhension pour moi aujourd'hui. Hein. Les personnes avant vous ont apporté de la compréhension. Moi, je vous apporte de l'incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, les mineurs isolés qui sont dans les rues de Calais, qui sont quelques dizaines à quelques centaines, ne pourraient pas bénéficier d'un accompagnement spécifique d'éducateurs, de travailleurs sociaux, qui pourraient aller à leur rencontre. On l'a testé à une époque où nous gérions la jungle de Calais avec l'association. Ça porte ses fruits. Un jeune, ça se rencontre. Ça discute avec lui. C'est pas parce qu'on lui dit une fois, viens avec nous, on va te mettre à l'abri, qu'il va venir. Un travail d'éducateur. Hein, les éducateurs sont des professionnels du relationnel. Un éducateur va au quotidien discuter, travailler des choses avec des jeunes et va pouvoir les sortir de cette situation. Essayer de les convaincre qu'effectivement, l'Angleterre, c'est d'abord très dangereux pour y aller, et puis ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour y rester. Donc, sur cette question-là, sur cette double casquette, je me pose vraiment la question, effectivement, de la question de l'identité pour nos mineurs non accompagnés et la question de ces jeunes qui sont sur le territoire calaisien. Sur l'ensemble de ces sujets, je ne peux pas rester là-dessus et forcément, je me mets à imaginer des solutions, peut-être un peu utopiques, peut-être un peu de l'ordre du rêve. Mais je me dis que pour mes mineurs non accompagnés, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, parce que dans un lieu quand même où visiblement il y a beaucoup de politique qui passe, je me dis, tiens, peut-être qu'en lançant une parole comme ça, ça va rebondir d'ici quelques temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que nos jeunes mineurs non accompagnés, qui n'ont pas de documents d'état civil avec eux, pour la plupart, ne pourraient pas bénéficier, à partir du moment où ils sont pris en charge
parler de social à l'enfance, ben d'une forme d'identité quand même, d'une pièce d'identité provisoire qui leur permettrait d'ouvrir un compte, par exemple, qui leur permettrait de pouvoir s'inscrire à des démarches administratives. Je ne dis pas qu'il faut bousculer la loi française et recréer des pièces d'identité, mais peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir et à proposer dans ce cadre-là. Je suis bon ? Vous êtes parfait. Bon, c'est gentil, merci. Je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous aurez compris que mon intervention se situe plus sur du pratico-pratique et sur du témoignage plutôt que sur de la réflexion, mais je suis également ouvert à toute réflexion philosophique, juridique et pédopsychiatrique, encore que là j'ai peut-être quelques lacunes. J'en profite pour dire qu'on aura en effet à l'issue de l'intervention de l'ensemble des intervenantes et intervenants un temps d'échange de questions-réponses avec la salle et aussi en ligne, puisque ce symposium est capté en ce moment en direct et retransmis sur YouTube, et que vous pouvez poser aussi des questions aux intervenantes et intervenants en allant sur le chat en dessous de la vidéo. Je vais maintenant donner la parole à Nathalie Vabre, qui, je le rappelle, coordonne l'unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger du CHU de Nantes. Et l'un des enjeux de cet accueil, de cette unité d'accueil, c'est le recueil de la parole de l'enfant victime. C'est compliqué, il faut un espace dédié, il faut des équipes coordonnées autour de l'enfant. C'est en tout cas ce que vous promouvez. Alors oui, tout à fait. Merci à Martine Brousse et merci à Dominique Brichard de m'avoir invitée. On travaille depuis très longtemps ensemble et c'est grâce au soutien de la Voix de l'Enfant qu'on a ouvert la salle d'audition, comme à Angers, comme dans plein d'autres, plus d'une soixantaine d'endroits en France maintenant, au sein des consultations de pédiatrie. Alors effectivement, on est une unité d'accueil des enfants en danger qui est devenue pédiatrique des enfants en danger. Et je tiens à saluer ici l'instruction qui vient de sortir très récemment en décembre sur la définition des parcours de soins des mineurs victimes et qui va permettre d'avoir des crédits pérennes pour un déploiement de ces UAPED, de renforcement de celles qui existent et un déploiement là où il n'y en a pas, et puis des équipes référentes ou référentes régionales ou émi-régionales dans les régions sur les diagnostics, parce que ce n'est pas toujours si simple les diagnostics. Donc effectivement, notre unité, c'est à peu près, c'est un peu plus de 1200, entre 1200 et 1300 mineurs reçus par an, plus de 850 examens sur réquisition réalisés pour la justice, et puis l'année dernière, donc 532 auditions, donc à peu près en moyenne 3 à 4 par jour, quoi, d'enfants. La question du droit, je suis très touchée par ce qui vient d'être dit, donc j'espère que je vais bien par l'interlocuteur précédent, effectivement, sur la question du droit des MNA, mais il faut que je me ressente sur ce que j'avais à vous dire, qui est le droit pour les mineurs, et particulièrement pour les mineurs victimes, en tout cas présumés victimes, à un parcours médico-judiciaire qui soit protégé, effectivement avec ces salles d'audition protégées à l'hôpital, avec l'idée diffusée par la Voix de l'Enfant qu'un mineur présumé victime n'a rien à faire dans un commissariat ou une gendarmerie où il peut croiser des auteurs, enfin qui est un lieu où on peut croiser des auteurs. Et puis l'idée des child advocacy nord-américains où ce sont les professionnels qui se déplacent au chevet de l'enfant et pas l'enfant ou l'adolescent qui est morcelé dans un parcours où il doit voir le médecin là. Alors le médecin somaticien, le psychiatre ou le psychologue, l'audition à un autre endroit, et que l'on concentre les compétences dans un même endroit, qu'on ne reproduise pas avec le parcours médico-judiciaire le morcellement que créent les violences pour l'enfant ou l'adolescent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et l'idée que ces UAPED sont à la fois, il y a à la fois ce droit à un parcours médico-judiciaire protégé et le droit qu'il y ait dans un même lieu, à la fois le constat, les soins aussi, et ou en tout cas un début de soin avec une orientation dans les autres institutions et professionnels qui font du soin, et le droit à la protection, c'est-à-dire qu'il y a un début de protection qui est discuté dans cet endroit-là, avec une montée en compétence des professionnels et une relation très forte, évidemment, avec les services du conseil départemental, les associations qui exercent les mesures. Dans ces unités, donc, ce qui est important, c'est à la fois ce parcours médico-judiciaire, mais il y a aussi la question du diagnostic, c'est-à-dire qu'on ne répond pas seulement au parcours médico-judiciaire, mais on va avoir un rôle de repérage et de dépistage des violences et d'être au service en tant qu'équipe mobile finalement des autres professionnels de l'hôpital lorsque il y a
là peut-être des éléments qui font penser que cet enfant, cet adolescent est peut-être victime de violence, quel que soit le type de violence. Et je me permets de rappeler là que c'est pas si simple, parce qu'on est effectivement tous scandalisés quand on entend une situation de maltraitance qui nous arrive, parfois un décès d'enfant ou des violences très graves qui sont mises au jour. Et en même temps, moi, après 25 ans d'expérience, j'ai encore toujours mal au ventre quand je dois aller annoncer un signalement, parce que ce n'est pas si simple. Et que j'espère que nous pourrons, il y a déjà des travaux, là, il y a une publication en cours, arriver à des bonnes pratiques d'annonce, comme il y a des bonnes pratiques d'annonce de la mauvaise nouvelle pour les pathologies graves, le handicap, parce que ce n'est pas si simple d'aller voir une famille qui, pour laquelle on n'a parfois aucun clignotant de vulnérabilité sociale. Voilà, hein. Il faut rappeler que les maltraitances existent dans tous les milieux sociaux, y compris quand maman est avocate et papa médecin ou l'inverse. Et donc, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que les familles dysfonctionnantes vont nous renvoyer beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses qui vont nous mettre mal à l'aise sur le fait qu'on voit, et je pense aux enfants qui ne parlent pas, et aux bébés particulièrement. Alors, bien sûr, Philippe Duverger connaît bien tous ces signes de négligence que peut avoir un bébé, mais c'est aussi la fracture chez un enfant qui ne marche pas, le bleu chez un bébé qui ne marche pas, où on sait, on a fait tous les examens pour savoir que ce n'est pas une maladie. Et il va falloir dire qu'on fait un signalement et que ce bébé a été victime de violence. Et que ce n'est pas si simple. Je voulais le préciser là parce que ça demande un travail d'équipe très important et qu'un professionnel seul dans son cabinet, qu'on soit médecin, orthophoniste, c'est important qu'on ait des clés, mais on ne peut pas tout faire tout seul. On ne demande pas à un médecin seul dans son cabinet, s'il dépiste un cancer par exemple, de tout faire dans son cabinet, y compris la chimiothérapie. Non, hein, il faut des équipes spécialisées dans les hôpitaux pour épauler, pour aider et pour aller du repérage au diagnostic et à la prise en charge médico-judiciaire dans des lieux où on va être plusieurs à travailler, des psychiatres, des légistes, des pédiatres, des psychologues, des psychomotriciens. Enfin voilà, malheureusement, j'en ai pas dans mon équipe, mais toutes les professions qui peuvent nous aider sur cela. Alors, je voulais dire ça, et puis on a parlé évidemment de l'égalité de droit qui est inconditionnel et qui malheureusement n'est pas respecté dans les cas que vous décriviez. Mais moi, je voudrais parler d'équité de traitement parce que l'égalité, voilà, c'est inconditionnel. Mais comment on va offrir plus d'équité aux enfants et aux adolescents, aux mineurs victimes de violences? Parce qu'on sait que les violences peuvent avoir des conséquences très graves sur la santé. À ce titre, on a parlé de la vulnérabilité latente. Hein, que cela... Alors, la vulnérabilité latente, ce n'est pas une condamnation. C'est-à-dire que les facteurs de risque que nous avons dans la tête, nous, en tant que médecins et professionnels du soin, ne sont pas des facteurs de prédiction. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a subi des violences qu'automatiquement on va avoir toutes les conséquences que l'on connaît très bien, qui peuvent être gravissimes. On a le droit à une belle vie. Mais pour avoir droit à une belle vie après avoir subi des violences, il faut que tous les professionnels puissent mettre le paquet pour plus d'équité. Et on sait que les enfants victimes de violences, alors on a parlé du langage beaucoup ce matin, la majorité des enfants qui arrivent en protection de l'enfance, il y a des travaux qui montrent qu'ils ont en moyenne 1 à 2 ans de retard de langage. Hein. Donc voilà, il faut plus d'équité dans les soins, il faut des parcours de soins spécifiques. On sait que les enfants, il y a eu des travaux de l'ONPE et de plein d'autres travaux internationaux qui montrent à quel point ce sont des enfants et des adolescents qui ont moins accès aux soins, qui voient moins le médecin, les familles dans les situations, il faut, voilà, les violences, c'est quand même une majorité de violences intrafamiliales, ça veut dire pas de soutien ou peu de soutien ou un soutien pas toujours ajusté de la part des familles. Donc, il n'y aura pas d'association de parents d'enfants maltraités pour nous dire qu'il faut mieux travailler. Et ça, vous voyez, par rapport à d'autres problématiques en médecine, je parle de ma place qui est celui d'un médecin, on a des tas d'associations, et heureusement qu'elles sont là, de parents, hein, d'enfants, par exemple, en diabétologie, qui vont nous dire, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas l'école à l'hôpital? Comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de psychologues? Et on va être obligé d'améliorer nos pratiques. Et là, évidemment, on a les associations comme La Voix de l'Enfant, mais c'est, vous voyez, le poids qui n'est pas là sur l'amélioration des pratiques, c'est important. Et donc, il faut plus d'équité dans les parcours de soins. Il y a plusieurs expérimentations. Il y a celle qui est nationale, mais qui est partie de la Loire-Atlantique sur donc, santé protégée. Il y a Pégase qui est partie d'Angers également. C'est-à-dire de se dire qu'il faut que l'on fasse évidemment le minimum pour répondre aux besoins fondamentaux de ces enfants, pour répondre à leurs besoins particuliers, parce qu'on sait qu'il y a une surreprésentation des situations de handicap. La maltraitance génère du handicap, le handicap peut générer de la maltraitance. Et puis, à leurs besoins spécifiques, puisque ce sont des enfants qui ont vécu des expériences négatives, qui peuvent impacter donc leur santé avec cette vulnérabilité latente. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des programmes qui nous permettent de s'assurer que ces enfants sont vus. Et je parle aussi du corps, car bien sûr, la santé mentale est majeure. On ne peut pas couper en deux, d'un côté la santé mentale, d'un côté la santé sociale, d'un côté la santé somatique. J'ai encore vu la semaine dernière, sur réquisition, des enfants qui étaient déjà suivis par une mesure et très bien suivis,
avec un éducateur tout à fait attentif. Et c'est une maman qui a donc une AED, une aide administrative, qu'elle-même est d'accord pour avoir. Et les deux enfants avaient, quand je pose la question rituelle, alors à chaque fois, je dis la même chose, ça pourrait paraître une bouteille à l'encre, sauf que je l'ai encore expérimenté la semaine dernière, est-ce que vous, ils portent des lunettes ? Oui, mais là, elles sont cassées. Donc la paire de lunettes, la deuxième paire, reste à l'école pour être sûr qu'ils les aient au moins à l'école. Donc voilà, pas de lunettes. Hein, donc les enfants de 9 ans et 7 ans. La grande a normalement a une maladie génétique, elle aurait dû voir le cardiologue depuis plus d'un an, elle aurait dû voir le généticien depuis également 2 ans, et c'est pas fait. Donc voyez comment, qui va prendre le rendez-vous d'échographie cardiaque au CHU avec le spécialiste, qui va trouver un ophtalmo pour refaire les lunettes. Il faut une coordination de soins. Il faut une coordination de soins qui vient en appui du conseil départemental et des services éducatifs qui suivent les enfants qui ne peuvent pas tout faire. C'est des enfants qui ont souvent des carnets de santé vides. Et il faut prendre soin du corps pour aussi avoir une meilleure santé mentale. Et si on a des programmes de soins tels que Santé Protégée, je suis à votre disposition pour discuter de ce qu'est ce programme. Il faut promouvoir ça pour avoir des enfants qui puissent accéder à des soins aussi bien somatiques qu'en santé psychique et en santé sociale, évidemment, pour pouvoir avoir le droit d'avoir une belle vie, même s'il y a eu des expériences négatives. Je suis peut-être trop longue, j'avais 2-3 points encore à vous dire. Cette équité de traitement là, me paraît vraiment importante, cette idée qu'on est tous des adultes qui doivent prendre soin. Et avec la Société française de pédiatrie médico-légale, dont je suis membre fondateur et qui existe depuis maintenant 4-5 ans et qui travaille en grande collaboration avec La Voix de l'Enfant, il y a un point qui nous paraît très, très important à promouvoir pour les années qui viennent, c'est, et on en a déjà parlé, celle d'une éducation bienveillante et particulièrement un point qui nous paraît très symboliquement fort serait l'inscription au carnet de santé de la loi qui interdit les violences dites ordinaires. Symboliquement, ce serait fort pour les parents, pour les enfants, à la fois parce que nul n'est censé ignorer la loi, puis en même temps, en fait, on ne la connaît pas. Ça serait aussi un passeport pour les parents, parce qu'on entend tellement de grands-parents, arrière-grand-oncle ou autre. Il y a tellement une déconstruction culturelle à faire des violences ordinaires, parce que ça fait partie de notre culture. Il faut déconstruire ça, de pouvoir dire, mais tu vois, c'est écrit dans le carnet de santé, c'est mauvais pour la santé, il n'y a pas de petite fessée, il n'y a pas de bonne gifle, c'est mauvais pour la santé, il y a des tas de travaux qui le montrent, c'est mauvais pour la santé, les violences psychologiques, physiques, évidemment, sexuelles, les négligences, c'est mauvais pour la santé. Et ça, ce n'est pas possible qu'on pense, il y a plein de travaux éducatifs qui nous le montrent depuis des décennies, hein, ça ne renforce pas, ça ne rend pas plus fort, ça ne rend pas plus intelligent une éducation qui marche avec de la violence psychologique, du harcèlement. Ça ne marche pas, donc il faut arrêter ça. Et ça veut dire aussi convaincre les professionnels qui s'occupent d'enfants. Alors évidemment, les soins, le milieu médical, s'inscrit au carnet de santé, on va devoir tous y réfléchir, parce qu'on a tous une vie personnelle, on a tous un petit enfant à l'intérieur de nous, comme ça a été redit tout à l'heure, et on peut avoir éventuellement des enfants, et on s'occupe d'enfants, et il faut que tout, je pense à l'éducation nationale, enfin, tous les professionnels qui s'occupent d'enfants, il faut qu'on soit bien convaincus de ça, parce que on parle du harcèlement à l'école, de l'éducation bienveillante, mais il faut que tous les professionnels soient bien convaincus et instruits de ce fait, parce que on voit bien comment nos pratiques, quand même, ne sont pas toujours bienveillantes à l'égard des enfants et ne montrent pas l'exemple. Et puis je me tourne vers l'intervenant à côté de moi, mais parmi les conséquences très graves des violences sur la santé somatique, psychique, qui peuvent avoir lieu à long terme, on le sait bien, comment ça peut produire une vulnérabilité, évidemment sur le plan de la santé psychique, mais aussi sur le plan de la santé somatique, avec une augmentation de maladies cardiovasculaires, auto-immunes, enfin voilà, ça a été bien démontré. Il y a la question des violences agies, et que violences agies, il faut tout de suite chercher violence subie, c'est-à-dire qu'on sait bien à quel point les violences, quand on voit un jeune qui est en situation de délinquance, d'hétéro-agressivité, voire jusqu'à la délinquance, eh bien, il faut chercher les violences agies derrière, et puis les inégalités sociales, bien évidemment. Donc, moi, il me paraît important que les UAPED puissent contribuer également au parcours de soins des mineurs auteurs et comment on peut améliorer cela aussi. C'est-à-dire comment, quand on voit un mineur auteur, et je pense aussi à progresser sur les violences entre mineurs, comment celui, tout en étant tout à fait bienveillant, à l'écoute,
surtout pas minimiser celui qui est victime des violences de cet autre mineur et de traiter avec toute la considération, tout le prendre soin nécessaire, que les professionnels puissent aussi se dire, là, de l'autre côté, ce mineur auteur, comment on va aussi garder, tout en rappelant le droit et faire tout ce qui n'est pas mon domaine sur le plan évidemment éducatif et social, mais comment on va en même temps garder aussi la bienveillance, le prendre soin autour de vers celui qui est auteur de violence. Merci beaucoup, Nathalie Vabre, pour cette articulation. L'enjeu dans l'accompagnement des enfants victimes, c'est en effet de pouvoir éviter qu'ils ne basculent à leur tour dans la délinquance. La prévention, c'est le cœur de votre métier, Sophia Noirani. Vous présidez, vous dirigez l'Académie Football Paris 18, j'y arrive. Les enfants que vous accompagnez, c'est ceux qu'on a entendus dans la petite vidéo qu'on vous a diffusée ce matin. Et dans cette vidéo, les enfants, ils parlent très clairement de leur droit à l'éducation, à la liberté, à jouer, mais aussi à ne pas être seuls, donc à être accompagnés, y compris par votre association. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis fier d'être ici hein, pour porter la parole des enfants et surtout d'autant encore plus fier vu que je suis un enfant de la voix de l'enfant. Depuis mon plus jeune âge, j'ai fréquenté une association qui était membre de la voix de l'enfant. Donc j'ai participé à plusieurs événements de la voix de l'enfant, notamment la Fraternity Cup. Et au-delà de ça, ça m'a donné un peu l'envie aussi de transmettre ce que j'ai eu dans mon enfance et créer cette association-là dans le 18e arrondissement. Pourquoi on a créé l'association l'Académie Football Paris 18? Pourquoi football? Parce que autant que jeune, on aime le sport. C'est quelque chose qui nous motive à y aller tous les jours. Et donc, ça nous permet de réunir les enfants, de les avoir au quotidien pour pouvoir travailler d'autres aspects. Avant de venir ici, j'ai fait un peu comme Stéphane, mais je me suis approché des enfants, des jeunes. Et je vais commencer peut-être par un jeune qui est en décrochage scolaire et qui est dans la délinquance, dans la vente des produits stupéfiants. Et je vais en découler pourquoi il en est arrivé là. Donc en discutant avec le jeune, en lui demandant pourquoi tu étais dans le quartier, la réponse qu'il m'a donnée, c'était « à l'école, on n'a pas voulu de moi ». En discutant avec lui, en essayant d'approfondir le sujet, il me disait que quand il était à l'école, les profs lui disaient « t'as rien à faire ici, va faire un BEP, va faire un CAP, si tu veux pas travailler, va au fond de la classe, prends ton journal, 20 minutes », il me disait « prends ton 20 minutes, mets-toi à côté du chauffage et lis-le ». Et il a eu toute cette démotivation-là d'aller à l'école parce qu'il n'est pas tombé sur un professeur ou un CPE qui lui a donné cette envie-là de rester à l'école. Donc, il s'est retrouvé à faire quoi ? Il s'est retrouvé à errer dans le quartier. Comme il me le dit, et beaucoup de jeunes me disent la même chose, c'est mon territoire, c'est mon quartier, c'est chez moi. Ils ne peuvent pas passer dans l'autre quartier. Donc, des dérives. Et je vais en revenir après là-dessus, surtout les rixes. En ce moment, je ne sais pas si vous entendez un peu dans les informations, on a eu énormément de rixes dans les quartiers, avec des morts, avec des familles endeuillées. Mais ce jeune-là, il me disait, donc, décrochage scolaire à 16 ans, plus d'école, et traîner dans le quartier, il fallait gagner de l'argent, il fallait avoir de l'argent, il fallait s'acheter des baskets, il fallait qu'il s'achète à manger, il fallait qu'il sorte au cinéma. Donc, il s'est mis à pouvoir faire guetteur, donc à guetter ce qui se passe, s'il y a la police qui arrive, etc. Ensuite, après ça, donc il est devenu vendeur et maintenant c'est devenu un des, si on peut appeler ça, un des grossistes du quartier. Pourquoi je vous ai donné cet exemple-là ? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes, que vous avez vu un peu sur la vidéo, là c'est les plus jeunes, mais ceux qui sont sur l'adolescence ou voire début de majorité, ils nous disent quoi ? Ils nous redisent la même chose dans nos quartiers. L'école ne donne pas cette chance-là. J'ai entendu beaucoup parler de l'égalité, de l'équité. Et les enfants nous disent qu'ils n'ont pas cette égalité-là, n'existe pas dans notre territoire. C'est malheureux à dire, on est en France. On est à deux pas d'ici, on est dans le 18e arrondissement de Paris. On est juste en bas de la butte Montmartre. Et ces jeunes-là, ils nous disent qu'on n'est pas considérés comme les autres jeunes. Et je vais un peu plus loin, certains nous disent qu'on n'est pas français, sachant qu'ils sont chez eux. Ils sont français, ils sont nés ici. Donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, peut-être réfléchir ou voir comment on peut leur donner cette chance-là, justement, d'avoir accès
à l'école, et surtout qu'à l'école, leur donner cette chance-là de réussir, d'aller dans l'élitisme de la scolarité. Et en parlant de ces jeunes-là, justement, en parlant de l'école, on s'est aperçu aussi que beaucoup d'enfants, ils étaient livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire, je m'explique, quand ils vont, il y a la remise des bulletins scolaires, leurs parents n'y vont pas avec eux. Pourquoi ? Parce que les parents, ils ont cette peur de rentrer dans l'école. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Pour certains, ils ne savent pas bien parler français. Donc, ils n'osent pas y aller à l'école. Là-dessus, à mon avis, peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi avec ces parents-là. Les accompagner. Donc, nous, avec le soutien de la Voix de l'Enfant, on a réfléchi à comment accompagner les enfants. Donc, la première question qui était venue, apprendre aux enfants à jouer avec leurs parents. Créer cette complicité-là. Les parents ne savent pas jouer avec leurs enfants dans nos quartiers. Donc, dès le plus jeune âge, de 0 à 3 ans, on fait des ateliers où les parents viennent apprendre à jouer avec leurs enfants, où ils donnent du temps à leurs enfants. Ce qui n'existait pas. Ce lien-là, on se dit que le lien, il va être créé, il va perdurer. Et on a créé aussi de l'alphabétisation qui se fait, parce que pour redonner cette confiance-là aux parents, d'aller à l'école. Donc, on a, avec une médiatrice socioculturelle qui les accompagne, qui leur donne cette ouverture-là à l'école pour que l'enfant se sente aussi accompagné et, comme je le dis assez souvent, avoir cette triangulaire-là, parents, enfants et associations, où l'enfant, il est encadré et on sait ce qu'il fait à tout moment. Il y a cet échange-là entre les enfants. Je reviens sur mon sujet où je parlais du jeune. Donc les jeunes qui se retrouvent en décrochage scolaire et n'ont rien à faire de la journée, donc vendre. Et le nouveau phénomène qui arrive, c'est le phénomène de RICS et d'appropriation du territoire. C'est mon territoire, c'est ma zone et c'est chez moi. Personne n'a le droit de rentrer chez moi. Et donc ça devient un peu, comme vous le dites, un monde sauvage. Ça conflit à quoi ? Des groupes, des bagarres, donc des jeunes qui partent d'un territoire à l'autre pour conquérir le territoire, comme ils le disent par leurs mots, conquérir le territoire d'en face. Et malheureusement, nous, entre le 18e et le 19e arrondissement, on a 4 familles endeuillées depuis 2019. On a réfléchi à plusieurs solutions. Donc là, on a créé un comité de pilotage où moi je coordonne ce comité avec pas mal d'associations du territoire et notamment les éducateurs de rue où on a mis en place un tournoi. C'est encore une fois de plus, la carotte du football reste toujours d'actualité. On met en place un tournoi de football. Et on prend des jeunes de différents quartiers. Donc, dans chaque équipe, il y a chaque jeune d'un quartier différent qui se retrouve dans la même équipe. Et l'idée, c'était de réunir tous ces jeunes-là dans le même sport et dans ce qui leur plaît. Et on se rend compte que c'est des enfants comme tous les autres. Ils s'entendent très bien, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il n'y a pas cette difficulté-là de RICS. Il n'y a pas cette difficulté-là de chacun à s'approprier son territoire. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus forme. Et là, l'idée, c'est d'arriver aussi à les sortir du territoire. Et ce qu'on fait avec les plus jeunes, mais notamment avec des jeunes de différents quartiers, les emmener sur des séjours en dehors de Paris. Comme ça, peut-être recréer ce lien-là de confiance entre les jeunes de chaque territoire. Et je finis sur l'idée de ce qu'on essaye de mettre en place. C'est notamment, avec le soutien toujours de la Voix de l'Enfant, c'est un peu ce que j'ai eu aussi sur ma jeunesse, dans mon enfance, ce que j'essaye un peu de transmettre. C'est via toute la partie éducative, c'est sortir ces jeunes-là sur la découverte. Un exemple, c'est que pour certains, c'était la première fois qu'ils allaient à la Tour Eiffel, alors qu'ils sont à Paris. Donc, on essaie de les emmener sur des sorties socioculturelles, leur faire découvrir le patrimoine français et leur faire découvrir d'autres cultures et d'autres actions. Et on a eu, depuis 2018, chaque année, on emmène des familles à la mer. Et chaque année, on a toujours une famille qui nous dit que c'est la première fois qu'elle vient à la mer. Une maman de 62 ans, c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait la mer. J'étais un peu long. Je suis à votre disposition.
Absolument pas long, Sophia Noirani. Tout d'abord, je vous remercie. On va ouvrir maintenant un temps d'échange, de questions-réponses avec vous dans la salle, mais aussi vous qui suivez ce symposium depuis chez vous, grâce à la captation en direct sur YouTube. Si vous le souhaitez, il y a deux bénévoles et salariés de l'association La Voix de l'Enfant qui vont pouvoir circuler dans la salle avec des micros pour pouvoir relayer vos questions, vos interrogations. Si personne n'y va, moi j'en ai peut-être une. On a parlé d'un regard bienveillant, d'une éducation bienveillante, sans violence. On en a parlé dans la première table ronde. Ça revient dans cette table ronde, et notamment à travers la voix de Nathalie Vabre, mais aussi celle de Sophia Noirani, qui parle directement de l'expérience des jeunes à l'école. Mais cette éducation, elle dépasse le champ scolaire, justement, éventuellement. Stéphane Duval, comment est-ce que vous promouvez cette bienveillance dans vos équipes, notamment avec les institutions qui ont à connaître vos MNA, et notamment sur la partie de l'apprentissage? Alors effectivement, il peut y avoir des vrais freins administratifs, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais fort heureusement, il y a des choses qui marchent bien. Et ce qui marche bien, c'est le réseau, c'est le partenariat. Et c'est les hommes et les femmes qui travaillent ensemble dans l'intérêt des jeunes qu'on accompagne. Il peut y avoir des freins, par exemple, je rejoins ce que disait Sofiane sur la question de la scolarisation. Il peut y avoir des freins pour nos jeunes, ça c'est sûr. Des jeunes qui ne parlent pas un mot de français, par exemple, ça peut être parfois difficile de trouver sa place dans un établissement scolaire. Même s'il y a des dispositifs qui sont mis en place. Mais à côté de ça, on peut compter sur la bienveillance justement de certains professionnels. Et c'est souvent au travers de rencontres particulières, de personnes particulières, plutôt que de systèmes, qu'on arrive à faire avancer les choses. Pareil sur la question du professionnel. Il peut y avoir des freins pour permettre à des jeunes d'avoir accès au monde du travail. Mais fort heureusement, on arrive à trouver des employeurs qui nous disent « Mais j'ai besoin de ce jeune, il a fait un stage chez moi, j'ai besoin de lui pour travailler, je veux lui offrir un contrat d'apprentissage, et s'il faut que j'attende un mois ou un mois et demi pour le recruter, j'attendrai. » Martine avait d'ailleurs, en son temps, interviewé un jeune du service qui était devenu boulanger, qui l'est toujours d'ailleurs, chez le même patron. Fort heureusement, je trouve que la bienveillance et l'humanité, on la trouve chez les personnes. Peut-être pas dans les systèmes, peut-être que c'est ce qu'il faut qu'on travaille justement, mais chez les personnes, chez les professionnels, chez les bénévoles, chez les gens en général, chez les hommes et les femmes, on arrive à trouver de la bienveillance. Donc peut-être qu'on peut continuer à s'appuyer sur cet aspect-là et puis essayer de bousculer un petit peu de temps en temps le système, parce que c'est aussi notre rôle en tant que professionnel. On parle beaucoup des professionnels, de leur formation. Est-ce qu'il faut une formation spécifique à la protection de l'enfance? Est-ce que l'enjeu pour améliorer l'accompagnement, ça vient dans davantage de spécialisation? Nathalie Vabre, je me tourne vers vous. Alors moi, je ne crois pas. Enfin, je pense que pour moi, les spécialistes que l'on est là, ont plutôt pour rôle d'animer les réseaux et effectivement de mettre en lien les bonnes personnes. Mais s'occuper d'un enfant, il n'y a pas besoin d'être hyper spécialiste. Alors je pense au réseau Santé Protégée qui s'appuie sur les médecins généralistes pour réaliser les bilans de santé annuels qui sont normalement obligatoires dans la loi de 2016, mais qui effectivement sont peu faits pour les enfants et les adolescents qui sont concernés par une mesure de protection. Et puis, effectivement, des fois, j'entends, bah oui, mais il n'y connaît rien, la protection de l'enfance. Ou tel psychologue n'y connaît rien, n'a pas travaillé, ou il n'a pas travaillé en protection de l'enfance, vous l'envoyez là-bas. Mais en fait, c'est s'occuper d'un enfant ou d'un adolescent, en fait. C'est pas peu importe qui soit MNA, qui soit... Enfin, c'est s'occuper d'un enfant. Et quand on a les compétences pour s'occuper d'un enfant, qu'on soit éducateur, médecin, psychologue, enfin tout métier qui... On a en face de soi des enfants. Donc savoir comment on prend soin d'un enfant, mettre à sa disposition les compétences que l'on a, et effectivement pouvoir bénéficier... Moi, je pense que formation, ça m'embête toujours parce que
on a affaire à des gens qui sont déjà formés, c'est des professionnels, ils ont déjà plein de compétences. C'est plutôt la question d'un renforcement de compétences, de pouvoir participer d'un réseau où on va pouvoir être soutenu, poser la question qu'on ne sait pas, partager les informations à caractère secret, par exemple. Des fois, on va avoir plusieurs éducateurs me disent bah oui, on va appeler le médecin traitant, mais il va me dire ah ben non, moi je ne peux pas vous dire quoi que ce soit à cause du secret médical, ou l'inverse. Bah en fait, il y a un moment donné, si l'enfant est, ou l'adolescent est coupé en morceaux parce qu'il y a sa santé somatique là, il y a l'école là, il y a ça là, on ne va pas y arriver. Donc, je crois vraiment au réseau et ce que vous dites. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont volontaires, qui ont envie de s'occuper et qui ont leurs compétences. Et comment il faut effectivement des animateurs de réseau. Enfin, voilà. D'apprendre, effectivement, il y a des conséquences particulières, il y a des choses particulières, il y a des vulnérabilités particulières. Mais ça, c'est du renforcement de compétences. On peut arriver à travailler tous ensemble au chevet des mineurs qui sont en difficulté, parce que c'est notre avenir. Effectivement, ça a été redit dans la première table ronde, en fait. C'est quand même notre avenir. On a bien vu à quel point la crise Covid n'a pas... on a quand même eu beaucoup de mal à faire entendre la question de l'enfant. L'enfant n'est pas roi dans notre société. Le mineur, parce que vous avez raison de dire, les mineurs ne sont pas rois dans notre société. Sabrina, je crois que... Monsieur. Je vais vous demander de vous présenter avant de poser votre question. Alors, Régis Delaunay-Belleville, je suis papa, je travaille à Pôle emploi, je suis des cadres dans la région Aura, je suis ici pour des raisons personnelles, non seulement pour venir vous voir. Alors moi, j'ai une question, pour faire court, j'ai lu tous les rapports de la protection de l'enfance depuis 15 ans, qui disent en gros qu'on n'écoute pas les enfants, que leurs droits ne sont pas respectés. Je vais très vite. J'ai beaucoup aimé la première partie parce que je trouvais vraiment que c'était un réveil à l'esprit critique sur l'enfant. Ça sort un peu des schémas de ce qu'on entend. Pourquoi, il y a une mesure simple, j'ai entendu des bâtonnats ou des bâtonniers plutôt qui disaient que pourquoi pour chaque enfant, vu que leurs droits ne sont pas respectés, ils aient tous un avocat d'enfant, tous les enfants. On ne peut pas dire que l'État ou le département... Il y a en plus, les avocats, il y en a beaucoup qui sont... Voilà. Pourquoi on ne peut pas faire ça ? Je rebondis sur votre question. C'était notamment un des aspects de la loi sur la protection de l'enfance qui a été votée en février et qui n'a pas fait consensus, puisque cette disposition qui voulait proposer un avocat systématiquement aux enfants tout au long d'une procédure n'a pas été adoptée. C'est proposé, mais ce n'est pas systématique. Flore Capelier, peut-être éventuellement... Oui. Je termine juste une chose, parce que comme l'enfant s'est sacrifié, hein, si je lis les rapports, c'est un peu le... Pourquoi on ne fait pas ça ? J'arrive pas à comprendre en tant que citoyen qu'on ne le fasse pas. Ouais. Alors, sans pour autant répondre à cette question, c'est quoi l'enjeu de la représentation de l'enfant par un avocat dans une procédure dans laquelle il n'est pas incriminé, hein, dans une procédure civile pour défendre ses droits, notamment quand il y a une question sur la garde et que c'est un enjeu ? Il y a plusieurs enjeux, et d'ailleurs c'est celle aussi du périmètre, parce que même si on avait un avocat systématique, pour reprendre votre hypothèse, il marche en justice, il ne marche pas pour tout ce dont on est, toute la partie dont on est en train de parler, de lien, de participation, d'écoute de sa parole auprès de l'éducation nationale, des services sociaux et autres. Pour commencer, ensuite, simplement les enjeux du débat, parce que on ne revient pas de prendre une position institutionnelle sur le sujet, mais en tout cas, ça a fait débat en 2016, ça a fait débat en 2016, ça fait débat en 2022 aussi dans la dernière loi qui a été adoptée, avec certains qui défendent l'importance de cette désignation systématique. On peut ajouter sur ce point qu'il y a quand même un point d'avancée intéressant, c'est que les barreaux se sont tous organisés pour avoir des avocats spécialisés sur les droits de l'enfant, parce que il ne suffit pas d'avoir dans la loi la nomination systématique, il faut encore qu'il y ait des avocats spécialisés derrière. Et ils ont été reconnus par le Conseil national des barreaux l'année dernière comme une spécialisation officielle des barreaux, la question des droits de l'enfant. Donc ça, c'est important. Après, la question derrière ça, hein, c'est la question dont on parlait tout à l'heure, du nombre d'acteurs autour de l'enfant pour porter sa parole et de la manière dont on recueille sa parole. Et donc, il y a des positions différentes sur le sujet. Ceux qui disent qu'il faut absolument qu'il y ait un avocat, mais à ce moment-là, la question se pose de savoir, y compris pour les fratries, etc., si c'est un avocat par enfant, un avocat pour les parents, etc. Et quand même, dans cette position-là, il faut veiller à la question du contentieux, parce que ça veut dire que la justice des mineurs est normalement quelque chose qui relève, avec l'assistance éducative, de moyens
avec moins de règles autour du contradictoire et des règles de la défense, mais avec l'idée que ce soit plus souple pour prendre davantage en compte les situations individuelles. Donc ça pose la question des avocats, de leur financement, de leur formation, puis après de comment se déroule l'audience quand il y a 10 personnes plutôt que 5, parce que clairement ça veut dire ça. Après il y a des positions plus nuancées qui visent à dire il faut pouvoir le faire régulièrement parce que ça permet de faire ce contre-pouvoir. On parlait à un moment de cette question-là auprès des différentes institutions. Donc c'est très important. Là, ce que la loi prévoit à ce stade, c'est de dire que le département ou le juge des enfants pourront demander au bâtonnier directement la désignation d'un avocat d'enfants dès qu'il le juge utile. Ça n'empêche pas en réalité et les parents et les enfants de demander un avocat, ce qui était d'ailleurs un droit déjà reconnu, mais pas systématisé. Et la loi, là, décide de ne pas aller dans la systématisation de cet accompagnement. Merci beaucoup, Fleur Capelier, pour ces précisions. Martine Brousse, fondatrice de La Voix de l'Enfant. Merci. En regardant le titre, Effectivité des droits de l'enfant, et en entendant Stéphane, Christelle, Sofiane, Nathalie, j'ai retenu une phrase de Laure Capelier tout à l'heure. L'enfant à l'épreuve du droit. Est-ce que ça ne devrait pas être l'inverse? Est-ce que ça ne devrait pas être le droit à l'épreuve de l'enfant? Est-ce qu'on n'aurait pas à ce moment-là des réponses par rapport à toutes ces violations de droits que nous avons entendues à l'instant, et en même temps à toute cette réflexion à laquelle nous ont amené Flore, Joseph et Philippe? Est-ce que, je reprends aussi, est-ce que nous n'atteignons pas cette effectivité parce que nous ne partons pas de cette question que nous a posée Joseph tout à l'heure et aussi Philippe, cette singularité de l'enfant? Est-ce qu'il ne va pas falloir que nous, la voix de l'enfant, les professionnels, nous posions cette question? Est-ce qu'il ne faut pas que nous portions des propositions dans ce sens pour tenter qu'il y ait une effectivité des droits de l'enfant? Est-ce que là... Oui, Nathalie Vabre, je vous en prie, pardon. Non, je partage tout à fait ce que tu viens de dire, Martine, et c'est la question de l'enfant sujet de droit et pas objet d'une procédure, mais bien sujet... On doit traiter comme un sujet de droit et pas comme un objet de procédure. Ça, c'est vraiment important, hein, comme une personne, certes plus vulnérable du fait de sa minorité, de son âge, son développement, de son éventuelle situation de handicap, mais qui reste bien sujet de tout ce qu'on veut construire autour de lui. Moi, je partage ce que tu dis. Philippe Duverger. Oui, moi, je voulais vraiment remercier les intervenants et puis peut-être rebondir aussi sur une question. J'ai beaucoup apprécié et entendu les enfants. Il y en a un qui a dit « moi, je voudrais le droit de jouer ». Et je trouve que ça rebondit évidemment sur l'exposé de M. Sofiane Ouarani. Le droit de jouer, je crois que le jeu, c'est l'accueil de l'autre. Quand on joue, on accueille l'autre. Le jeu, c'est l'accueil de l'autre. C'est le partage d'une culture, c'est la reconnaissance. Enfin, vraiment, jouer, c'est fondamental. Et on pourrait même aller du jeu au jeu avec la question de l'identité derrière. Enfin, je trouve que... il y a là des enjeux, en tous les cas, qui me semblent fondamentaux, notamment du côté de la question du jouet et à ce moment-là, du droit au bien-être. Et c'est vrai que je pense que les enfants jouent de moins en moins, en tous les cas, ensemble, avec leurs écrans. Et que ça pose derrière la question de l'autre face, qui est celle du harcèlement. Et je pense que cette question du jouet ensemble et votre expérience, je voulais vraiment vous remercier. Je n'ai pas de questions. Mais je suis admiratif de ce travail de terrain, justement, du côté du jouet et donc de l'être ensemble. On peut peut-être reprendre une question sur le rôle de l'éducateur quand il accompagne. Et c'est peut-être une question qu'on peut vous poser, Sofiane Ouarani. Est-ce que vous jouez encore avec les enfants ou est-ce que votre rôle, c'est de les accompagner et de rester dans votre position d'adulte encadrant? Est-ce que l'éducateur a vocation à jouer avec les enfants qu'il accompagne? Non, il est vrai que c'est une question un peu difficile. Non, il faut vraiment garder une distance avec les jeunes, tout en jouant avec eux, parce que le lien de confiance, il se crée
en jouant avec l'enfant et en lui donnant, en ayant cette proximité-là avec lui. Parce qu'un enfant ou un jeune ou un mineur ne se confierait jamais à un éducateur si l'éducateur est trop loin de lui ou que l'éducateur ait une position de supériorité. Il faut vraiment qu'il soit à la même hauteur que le jeune, tout en gardant cette distance. Je sais pas si t'as... Et je crois que Stéphane Duval voulait intervenir sur cette dimension du jeu et la place de l'éducateur. Il joue très bien au football. D'ailleurs, on a pu échanger quelques parties de football à une époque avec l'association de Sofiane. Moi, je rejoins complètement ce que dit Sofiane. Je vais parler. Alors, je suis éducateur de métier. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité de directeur, mais j'ai été éducateur et j'ai toujours mis un point d'honneur à représenter quelque chose aux yeux des mineurs non accompagnés. Alors, je ne vais pas rentrer dans des hauts débats philosophiques ou autres sur l'image paternelle, sur des mineurs qui n'ont pas de représentants. Mais je dis toujours aux éducateurs, c'est une question de posture. C'est-à-dire que, bien évidemment, ils sont des professionnels, donc ils doivent rester professionnels. Ils doivent avoir la bonne distance par rapport aux jeunes qu'ils accompagnent. Mais réprimander un jeune, c'est porter un intérêt à lui, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de ne pas s'intéresser à un jeune. Je mets un point d'honneur à rencontrer tous les jeunes qui rentrent dans le service en entretien. D'abord pour me présenter et pour qu'eux puissent se présenter. Je sais que j'ai des collègues qui ne font pas forcément. Alors, vous allez me dire, 130 jeunes, ce n'est pas évident. J'essaye de retenir leurs prénoms. Ce n'est pas un exercice facile, mais j'essaye quand même pour pouvoir les interpeller à certains moments en disant, bah, tiens, Mamadou, comment tu vas, etc. J'essaye de m'intéresser un peu à leur situation sans déborder, sans devenir un éducateur. Parce qu'effectivement, je n'ai pas question pour moi de prendre la place de l'éducateur. Mais je suis très attaché à un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je pense qu'il faut toute une institution pour éduquer aussi un enfant, du directeur jusqu'au surveillant de nuit, l'éducateur, etc. C'est-à-dire que pour moi, la question, quand on parlait de formation professionnelle tout à l'heure, elle est importante. C'est important qu'il y ait des professionnels repérés, qu'ils soient vraiment dans la bonne posture professionnelle. Mais chacun a un rôle à jouer, même la secrétaire, de temps en temps, quand elle doit mettre dehors de son bureau un gamin qui vient un peu trop de manière envahissante. Ben, elle fait son rôle d'éducatrice quelque part en disant « je suis occupée, tu reviendras plus tard ». Et sur la question du jeu, effectivement, Martine, puisque tu m'interpelles sur cette question, il est clair que le sport, pour les jeunes que j'accompagne, c'est un sujet numéro un. Les clubs de sport de la région nous appellent en nous demandant si on n'a pas un ailier droit rapide ou si on n'a pas un... Voilà. C'est aussi de l'intégration, c'est-à-dire que c'est un outil d'intégration. Je me tue à dire aux équipes que dans notre travail au quotidien, tout est bon pour faire de l'intégration. Le sport, la culture. On est en train de travailler avec la Voix de l'Enfant sur un projet avec une association qui s'appelle Art Explora, où des jeunes vont venir au musée du Louvre ici pour faire une action en lien avec Sébastien. On a travaillé avec le Louvre Lens à l'époque aussi sur un remake des Voyages d'Ulysse. Sur une pièce de théâtre un peu plus contemporaine, on va dire, avec les jeunes, parce que, comme je disais aux responsables du Louvre à l'époque, moi, les miens, en voyage, ils s'y connaissent bien, donc si vous voulez faire un remake, ils seront là. Donc, le jeu, effectivement, le sport, la culture, ce sont des supports essentiels. Et ce n'est pas sur ces points-là où on a le plus de difficultés. C'est-à-dire que l'accès au sport et à la culture... Je trouve que ce sont des domaines assez ouverts, finalement, pour nous en tout cas, assez ouverts, et on y trouve assez de partenaires. C'est dès qu'on va rentrer dans des systèmes un peu plus rigides, un peu plus solides, un peu plus difficiles à bouger, qu'on va avoir des difficultés. Mais finalement, le sport, ça bouge tout le temps. La culture, c'est quelque chose de... L'art, on peut sortir du cadre comme on veut, donc c'est amusant. Donc là-dessus, c'est pas le plus difficile. Mais c'est un vrai soutien pour nous et c'est un vrai support. Christelle Rocheteau, vous vouliez également intervenir sur cette question du jeu ? Oui, même plus largement, parce que ce que je trouve assez effrayant en écoutant Sofiane et tout ce qui se passe avec la vie active à Calais ou autre, c'est que bon, moi, mon terrain de jeu à moi, c'est plutôt l'Afrique. Et,
Et on consent souvent à entendre des choses qui viennent d'Afrique, justement, les enfants des rues, on voit ça comme un peu de l'exotisme, on voit ça de loin, mais de voir que finalement les mêmes mots et presque les mêmes solutions peuvent s'appliquer aussi bien pour les enfants des rues de Kinshasa que pour ceux qui sont à Paris. Et je trouve que de plus en plus ces dernières années, alors ce n'est pas forcément, un bon signe, parce qu'on ne va pas plutôt vers le haut, mais c'est plutôt effectivement les enfants d'ici qui se retrouvent avec les mêmes difficultés. Quand je pense aux enfants des rues de Kinshasa, en fait, c'est pareil, les chiffres, c'est comme pour l'état civil, on ne peut pas les compter. On parle de 25, est-ce que vous pouvez juste rapprocher votre micro. On parle de 25 000 enfants dans les rues de Kinshasa, et en fait, la plupart sont dans la rue parce qu'on les a accusés d'être des sorciers. Donc là, sur l'humanité, quand on accuse un enfant d'être un sorcier, parce qu'il est à l'origine de tous les maux, on le suspecte d'être à l'origine de tous les maux de la famille, le père qui perd son travail, c'est à cause de cet enfant-là qui est sorcier. La mère qui va tomber en rentrant du marché, ça sera aussi à cause de l'enfant qui est un sorcier. Et ils ont des mots très, 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 très forts quand ils parlent des enfants. Moi, j'ai rencontré comme ça une tante qui avait accueilli son neveu. Elle disait, je le voyais au centre, son neveu, c'est un garçon gentil, un jeune de 15 ans avec un bon visage, très, très, très amusant. Il avait un comportement avec moi qui était tout à fait autre. Et on va dans le quartier, on rencontre sa tante et j'essaye de la sensibiliser en lui montrant une photo, en lui disant, regarde, il souffre quand même, il dort dans la rue, avec une violence, on connaît la violence des rues de Kinshasa. Et elle lui dit, mais non, c'est un grand sorcier. La nuit, il vient me visiter. Et en fait, c'est parce qu'elle rêvait de lui, parce qu'elle-même culpabilisait de savoir son neveu qu'elle aimait, en fait. Elle avait une profonde affection pour son neveu, mais c'est tout le quartier qui avait ciblé cet enfant comme étant le sorcier. Et alors, leur image, c'est quand elle dit, il a bouffé un enfant. En fait, bouffer, il y a un enfant qui est mort dans le quartier, comme ça arrive presque au quotidien, et on accuse ce jeune d'être... Et là, effectivement, après, il y a tout un... Alors, il y a l'identité, mais il y a tout un lien à tisser. Cet enfant-là, effectivement, ses parents n'étaient pas là, sa mère était partie en Angola, le père, on ne savait pas où il était parti. Et là, sur l'humanité, l'exemple... En plus, ce garçon avait un joli prénom. Ils ont toujours l'art de donner des jolis prénoms en Afrique. Il s'appelle Ravi. Et on a fait tout un travail avec lui. C'est vrai que c'est là aussi où, sur la formation, c'est vraiment le réseau, parce que c'est pas juste lui donner une identité, c'est pas juste l'inscrire à l'école, mais il faut que ça soit une prise en charge globale de cet enfant. Et chaque enfant a son histoire, et chaque enfant a besoin d'être pris en tant que personne, mais avoir une approche tout à fait globale. Lui faire une formation professionnelle, pourquoi pas, mais ça. C'était aussi un autre rêve qu'on lui vendait en lui disant « tu vas faire une formation professionnelle ». C'était un accompagnement global. Aujourd'hui, Ravi va très bien. on a trouvé une autre famille que cette tante. En fait, il fallait le sortir de son quartier aussi. Mais c'est vrai que et tout ce travail, effectivement, sur le jeu, sur les sorties culturelles. Tout à l'heure, quand tu disais qu'ils n'avaient pas vu la Tour Eiffel, alors que ce sont des jeunes qui sont dans le 18e, c'est pareil à Kinshasa, on les emmène des fois au musée. Alors la mer est trop loin, mais on les emmène une journée au bord d'une rivière. Peu importe, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'équipement, mais juste plonger dans l'eau, nager, jouer, trois ballons, et ça suffit pour... Et c'est souvent d'ailleurs dans ces moments-là où les animateurs ou les éducateurs, on les appelle plus animateurs, parce qu'en fait, ils n'ont pas la formation stricto sensu d'éducateur. En fait, c'est souvent, ils le disent, c'est au moment des jeux d'ailleurs que l'enfant brise un peu la carapace. C'est au moment de ces petits moments de détente où l'enfant, d'un coup, va faire tomber son espèce de vigilance par rapport à l'extérieur, parce qu'il est obligé d'être tout le temps dans la vigilance. Quand on vit dans la rue de Kinshasa, on ne dort pas tranquille. On dort toujours en ayant une oreille ouverte, parce que la police peut arriver, parce que quelqu'un peut arriver aussi pour voler, violer ou autre. Et ce temps du jeu, ce temps au bord de la rivière, ça dure une journée. On essaye de le faire une fois par mois, et c'est là en fait où la carapace se fend. Et c'est là après où on arrive à essayer de faire quelque chose de bien et à transformer ces jeunes. J'ai vu Sofiane Warani que vous réagissiez à cette notion de carapace qui s'effrite quand on parvient à instaurer un jeu, un climat de confiance. C'est des situations, j'imagine, que vous avez connues dans votre association. Ça doit faire écho à des histoires, à des parcours de vie d'enfants que vous accompagnez. Oui, tout à fait. C'est arrivé il y a
pas très très longtemps. On partait à Verdun. En fait, l'idée, c'était d'allier toujours le sport et l'éducation et le culturel. Donc l'idée, c'était de visiter un peu l'histoire de Verdun et de faire un tournoi de football là-bas. Et on est resté 2 jours. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a appris que 2 enfants de la même famille, ils se faisaient taper par leur famille, par les parents. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu ce moment-là où les jeunes ils étaient complètement décrochés du quartier. Et surtout, le moment où ils se retrouvent entre amis et éducateurs avec lesquels ils avaient confiance. Hein. Donc, il y avait ce lien-là de proximité, où ils se sont ouverts, où la parole s'est libérée. Parce que je pense qu'en restant dans le quartier, dans le territoire et avec leurs amis, cette parole-là, je pense qu'elle ne serait jamais libérée. Et que ces enfants-là, je pense qu'aujourd'hui, ils seraient toujours dans la même situation et voire même eux-mêmes devenir auteurs. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions, oui, dans la salle ? Merci. Bonjour. Moi, j'ai été travailleur social, j'ai été responsable de centre social. J'ai été touchée par votre intervention parce que j'ai travaillé 7 ans dans le 19e, donc je vois très bien. Et puis, j'ai été élue de ma ville et notamment adjointe au maire en charge de l'action sociale, de la solidarité et de la famille. Et sur l'effectivité des droits de l'enfant, alors, c'est peut-être un petit peu à côté, mais quand même, ce qui me vient, c'est les situations où les familles, suite à de très grosses difficultés financières, sont donc menacées d'expulsion locative, où le concours de la force publique est accordé. Et quand il y a des enfants, la police intervient, la famille est mise dehors, et elles appellent le 115, alors ça marche tout de suite ou pas. Et les enfants se retrouvent à vivre dans une situation qui, des fois, dure des années. Je siégeais à la commission d'allô du département où était ma ville, et j'ai vu des familles qui, avec des enfants, étaient depuis 6 ans à l'hôtel. Donc, en tant qu'élue, je recevais les gens quand le concours de la force publique avait été accordé, et toujours dans mes interventions auprès du préfet, c'était de mettre en avant les droits de l'enfant à vivre normalement, dans un logement, avec leur famille, et puis aussi à ne pas être trimballée d'un hôtel à un autre, ou des fois pour pouvoir continuer à suivre l'école, c'est 1 ou 2 heures de trajet le matin et autant le soir, etc., etc. Je trouve que là, il y a quelque chose qui manque à l'État. En plus, ça coûte une fortune. Hein. Le 115, c'est 17 à 50 euros par jour et par personne. J'avais proposé au préfet que le 115 prenne en charge le loyer, qui souvent était moindre, hein, mais il paraît que ce n'était pas le même argent. Mais qu'on prenne en compte ça, et que quand il y a une famille avec des enfants, qu'il n'y ait pas la possibilité d'expulser la famille du logement où elle est parce qu'elle ne peut pas payer le loyer. C'est extrêmement préjudiciable aux enfants, surtout quand ça dure après des années et des années. Là, je trouve qu'on fait une entorse au droit de l'enfant de pouvoir vivre et d'être protégé par les adultes. Malheureusement, comme il y en a d'autres, et c'est vrai que ça s'inscrit dans l'effectivité des droits de l'enfant, le droit à un habitat, à une maison, à une famille. Et je reviens du coup sur la question peut-être de la famille et du lieu de vie. Vous avez tout à l'heure, Nathalie Vabre, parlé de la difficulté d'apprendre un signalement à notamment un environnement familial, la difficulté d'interagir avec des parents qui sont à la fois représentants légaux et parfois maltraitants. C'est une question, j'imagine, qui a traversé l'ensemble de vos pratiques professionnelles, ce rôle de la famille. Peut-être Sophia Noirani, puisque à l'exception de Stéphane Duval, qui accompagne des mineurs non accompagnés, qui de fait n'ont pas de représentants légaux ni de proches. Ils ont un représentant légal. Oui, qui est le conseil départemental, mais qui n'ont pas de proches ni de famille pour les représenter, pour les accompagner. Éventuellement, Sophia Noirani, comment est-ce que vous arrivez à travailler avec les familles ? C'est quelque chose de très difficile dans le sens où les familles dans notre territoire, soit c'est des familles monoparentales, soit c'est des parents, des papas pas très présents. Soit ils travaillent beaucoup, pour certains,
Il faut le dire, ils ont plusieurs enfants, plusieurs femmes. Hein. Donc, des fois, ils sont dans un quartier et la semaine d'après, ils sont dans un autre quartier. L'idée que nous, on a mis, et c'est quelque chose qui a été repris par la CAF de Paris, c'était de travailler avec d'imposer en fait aux parents d'être présents sur certaines activités avec les enfants. Si le parent n'est pas présent, donc on fait comprendre aux parents que voilà, l'enfant ne pourra pas prendre sur cette activité-là. Pour certains parents, le fait d'envoyer leurs enfants sur une activité, sur une sortie, c'était s'en débarrasser. Et donc avoir cette tranquillité-là de pouvoir faire autre chose. Et donc, c'est une réflexion qui a eu lieu depuis 6-7 mois, d'imposer ces activités-là. Ensuite, le travail, il est un peu plus profond que ça. Il est de donner conscience aux parents, de leur réveiller cette conscience-là, que l'éducation passe par eux, pas que par nous, parce que l'enfant, il est avec nous pendant un moment, mais le reste du temps, il est avec eux. Donc, quelle éducation il leur donne, tout à l'heure, on parlait de jouer. Le fait de jouer avec son enfant, c'est créer ce lien-là de confiance. Parce que ce qui arrive souvent, à 16 ans, l'enfant n'écoute plus le parent. Il peut lui parler. On a eu un cas concret il n'y a pas très longtemps où on a fait intervenir la voix de l'enfant, où le parent, l'enfant, il a enfermé ses parents dehors avec deux bébés. Ça veut dire qu'il a dit à ses parents, vous ne rentrez pas à la maison. Et c'était lui qui imposait c'était lui la loi de la maison à 16 ans. Parce que comme ce lien de confiance-là, il n'a jamais existé, le jouer, on parlait de jouer tout à l'heure, les parents n'ont jamais joué avec leurs enfants, avec l'enfant, donc ils ont perdu ce lien-là de confiance. Si on réfléchit sur la famille, peut-être reprendre un peu de distance. Joseph Cohen, on en profite, vous êtes encore avec nous, Flore Capelier également. Est-ce qu'il faut repenser la famille ? Est-ce que quand on pense à l'humanité de l'enfant, est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi la famille qui est au fondement des textes juridiques notamment ? Merci beaucoup. Bon, ça c'est une énorme question. Repenser la famille, c'est fabuleux même comme question, mais je suis... La parentalité peut-être. Oui, la parentalité, ce serait peut-être plus circonscrit. Mais tout d'abord, merci beaucoup. J'ai énormément appris. Et je dois dire, je suis sidéré devant ce que vous rapportez, hein, les différents cas que vous avez rapportés. Moi, je me souviens de guéguerre entre le 11e et le 12e arrondissement. Là, vous me parlez de rixes entre 18e et 19e. On est passé à un autre niveau en à peine 20 ans. Et dans tout ça, je me posais aussi la question de l'analphabétisme. Quel est le statut de l'analphabétisme, parce que en tant que prof d'université, on arrive, on reçoit des élèves qui sont cultivés, lettrés, évidemment, mais pour vous qui êtes sur le terrain, j'aimerais bien avoir quelques éléments là-dessus pour savoir un peu qu'en est-il de l'apprentissage de la langue. On parlait beaucoup de la langue, donc qu'en est-il de l'apprentissage de la langue française, d'autres langues aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup en France, hein, l'apprentissage d'autres langues. Et n'y aurait-il pas là un moyen, justement, de favoriser l'intégration, l'inclusion, passer par la langue et l'apprentissage de la langue. Quant à la famille, oui, c'est une énorme question, et je ne vais pas prendre, évidemment, beaucoup de temps, ou la parentalité... C'est vrai que l'histoire, enfin, l'histoire, là je vais me réfugier dans mon propre domaine, l'histoire de la philosophie a toujours placé la famille comme étant le centre de la socialité, comme étant la première étape de la socialité. Donc une famille qui reconnaît ses enfants, les enfants qui reconnaissent les parents et qui construisent un nœud ensemble constitue la première socialité. Aujourd'hui, en constatant, enfin en voyant ce que tout ça a volé en éclats. Donc la question
que je me pose à mon niveau, donc de prof de fac ou même de simple citoyen, c'est que s'est-il passé dans l'éducation pour être arrivé à ce point-là de désintégration assez manifeste, en tout cas dans certains quartiers, en pleine capitale, de désintégration de la famille. Où est-ce qu'on a failli, où est-ce qu'on a échoué dans l'éducation pour être arrivé à un point où la famille n'arrive plus à souder ce qui était le premier élément fondateur d'une socialité saine. Nathalie Vabre. Je voulais juste dire une chose, c'est que il y a quand même des progrès qui ont été faits sur les droits des enfants et sur l'histoire de la place de l'enfant, en tout cas dans notre pays. Je me permets juste de dire ça, parce qu'à la fois, j'entends toute la gravité, mais si on reprend la littérature et puis l'histoire des enfants, et je pense par exemple à Jean Labbé qui a écrit, qui est un collègue canadien, qui a écrit sur l'histoire du repérage de la maltraitance des enfants, et en tout cas dans notre pays, la considération de l'enfant, sa place, son droit n'est heureusement pas la même. Je ne dis pas ça pour dire que tout est rose, et j'ai entendu et je suis... je veux dire par là qu'il y a des choses où finalement on a l'impression que c'est nouveau, et puis quand on regarde la littérature, aussi bien spécialisée que la littérature, je parle romanesque, hein, on voit bien comment tout ce qu'on entend là, et notamment les rixes, les territoires, etc., c'est des choses qui sont anciennes. Et peut-être analyser qu'est-ce qui conduit, et ce que vous disiez très bien, hein, cette impression d'être laissé pour compte. Et en fait, c'est des choses qu'on retrouve finalement dans toutes les sociétés et aussi à travers les âges, quoi. Hein. Et c'est sans doute, alors pas moi, mais effectivement vous, tous les penseurs, de regarder comment, quels sont les mécanismes qui nous conduisent, qui conduisent à ce qu'on ait des enfants et des mineurs qui soient laissés pour compte et qui soient traités mal et maltraités. Hein. Et je voulais dire, madame, vous parliez de l'enfant sorcier tout à l'heure. Là aussi, on voit bien comment... alors, moi, je n'ai pas du tout vos connaissances sur... effectivement, je n'ai jamais travaillé en Afrique. Mais l'enfant mauvais objet d'une famille, vous voyez, ça peut prendre une forme et une façon de le désigner différente dans tel ou tel pays ou dans tel ou tel... Et en fait, ça se retrouve partout. On voit bien que c'est universel, cet enfant mauvais objet, parce qu'on peut le retrouver dans toute culture, dans tout milieu, cet enfant qui est tenu pour responsable des difficultés de la famille, qui ne va pas bien, qui va avoir, pour lequel on voit qu'il est victime de violences, mais qu'en fait, c'est de sa faute. Pas de c'est ta faute parce que ceci, parce que cela, parce qu'il n'est pas né au bon moment, parce que pour plein de choses irrationnelles ou qui peuvent reposer sur des pseudo-raisons rationnelles, il ne travaille pas à l'école, il ne range pas ses affaires, enfin, il n'est pas celui qu'on pensait. Et en fait, cette question de l'enfant sorcier, là, c'est comme ça qu'on l'appelle à Kinshasa, mais finalement, on le retrouve partout. Et je trouve que ces questions de regarder les mécanismes, quelle que soit la culture, quel que soit le temps, pour faire mieux, je trouve que c'est des pistes importantes, quoi. C'est juste ça que je voulais ajouter. Sur l'enfant sorcier, pour revenir sur ce sujet-là, en fait, effectivement, on peut l'appeler enfant sorcier à Kinshasa, mais ça montre aussi, ça reprend un peu ce que vous disiez, en fait, un peu le délitement aussi de la société. Parce que cet enfant sorcier, il n'est pas déterminé par hasard, en fait. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu un mariage, un remariage. Donc, ça veut dire que la cellule parentale a complètement explosé. Tout a explosé à Kinshasa, de l'État jusqu'à la cellule parentale, tout a explosé. Donc, une femme peut difficilement vivre seule, donc elle va vite, si son mari l'abandonne ou si elle part, retrouver un autre mari qui lui-même aura des enfants, elle aura ses enfants. On vit dans 10 mètres carrés, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. C'est une manière de sortir l'enfant, en fait, l'accuser d'être sorcier, même s'il n'y a pas eu une perte de travail ou quelque chose, ça peut être, c'est pour n'importe quel motif. Et en fait, c'est ce délitement de la société, effectivement, comme vous disiez, enfin, ou de la famille, et la société n'est plus en capacité à prendre en charge l'enfant. Que les parents soient à un moment défaillants, pourquoi pas, mais il faut trouver, du coup, autre chose, quelqu'un d'autre qui va prendre soin de l'enfant. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur le mauvais objet dans la famille, il faut faire très attention, car certains discours politiques actuellement veulent faire porter à certains enfants des enfants mauvais objets de la société. Au-delà de la famille, c'est de la société.
Je ne vais pas revenir sur certains propos qui ont été condamnés par la Voix de l'Enfant et attaqués sur les personnes qui les avaient prononcés. Mais je pense qu'effectivement, de faire porter une responsabilité sur une dimension sociétale à des jeunes qui ne sont pas responsables du tout de ce qui est avancé, est à mon avis effectivement une dérive à laquelle il faut être très vigilant. Flore Capelier, vous vouliez intervenir sur la cellule familiale. Ouais, enfin, je voulais juste compléter le propos de Madame Vab sur les mécanismes. En tout cas, en droit, il se passe quelque chose de vraiment très intéressant parce qu'en effet, 89, la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui s'en est suivi, le Comité international des droits de l'enfant, les possibilités de saisine, l'augmentation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces questions, la reconnaissance constitutionnelle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, on pourrait continuer la liste. On voit en tout cas que dans nos mécanismes juridiques, on a quand même un certain nombre d'avancées. On parlait des avocats tout à l'heure, la reconnaissance de leur spécialisation en est une autre. Je crois que sur ces oscillations, il y a quelque chose de très intéressant, mais qui n'est pas nouveau, de l'équilibre trouvé entre les solidarités familiales et les solidarités publiques, et l'oscillation entre l'un et l'autre, avec des mouvements après d'individualisation qui sont décrits et qui posent la question de leurs limites, sur la manière de faire et d'inscrire l'enfant au sein de son environnement et au plus proche de son environnement. Donc, un coup, une réponse institutionnelle, un coup, la question de comment on mobilise les ressources familiales, mais que ces oscillations, elles sont... Toute la question est celle du sens, en fait, qu'on met derrière et comment le travail peut se faire. Et je voulais juste, sur ces questions-là, appeler l'attention sur quelques rapports récents par rapport à ce dont on vient de parler. Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'adolescence a fait un rapport sur la question des familles et on trouve notamment des statistiques très précieuses sur l'évolution des familles, l'importance des familles monoparentales, la question de leur précarisation, la manière dont les politiques sociales répondent ou non à cette diversité des formes familiales qui, pour le coup, en une vingtaine d'années, a beaucoup évolué. Sur les mineurs non accompagnés, il y a le récent rapport du Défenseur des droits qui insiste notamment sur la question que vous visiez autour du compte en banque et au-delà des, par ailleurs, d'autres questions que vous souleviez sur la régularisation, le droit d'asile et autres, mais aussi sur cette question-là de voir comment on pourrait juridiquement ouvrir ces questions. Et puis, autour des éléments que vous portez les uns et les autres, je trouve qu'il y a une dimension très importante autour du bien-être de l'enfant, de cette question de confiance. Et il y a aussi différents travaux autour de la santé de l'enfant. Un récent rapport de la Cour des comptes, le Défenseur des droits a aussi paru quelque chose et l'ONPE fera prochainement son rapport annuel pour apporter sa contribution sur le plan des recherches et autres sur le sujet. Merci. Merci. Joseph Cohen. Je voulais tout simplement dire à M. Duval, merci beaucoup pour cette dernière parole, parce que c'est très, très important ce que vous avez dit sur la récupération politique de tout ça. Parce que c'est une manière d'enfoncer vraiment le clou ici, en pleine Assemblée nationale, comme vous l'espériez, vous le rêviez, que c'est un problème de la plus haute importance politique. Parce que si on décroche là-dessus, on va créer... Des êtres non pas des êtres apolitiques, anti-politiques. C'est là le danger pour la socialité, c'est là le danger le plus grave. C'est qu'on crée des êtres, déjà on est à un point limite d'apolitisme dans nos sociétés démocratiques, je trouve. Ne pas résoudre politiquement le problème que vous soulevez et fort justement et auquel vous travaillez tous et toutes, nous allons créer des êtres apolitiques dans une socialité qui deviendra de plus en plus méfiante de l'exercice du politique et qui se détruira, s'auto-détruira. Cette question... Je ne veux pas être alarmiste, mais j'entendais souligner l'importance de votre dernière parole. Cette question de la communication, c'était l'objet de ma réunion de rentrée d'équipe au mois de septembre. Réunion de rentrée, j'avais anticipé les choses auprès des équipes en leur disant « cette année va être difficile pour nous ». Parce que forcément, comme on touche la question de la migration et des migrations, on va être sujet à des tas d'interprétations. Donc il va falloir qu'on soit positif et il va falloir qu'on communique aussi dans le bon sens du terme. Donc on a fait appel au service communication de l'association, les réseaux sociaux, etc., etc. Et je terminerai moi mon propos aujourd'hui par cette petite note, parce que là où on avait pu entendre à un moment donné que tous les MNA étaient des violeurs, des voleurs et des assassins, moi j'ai fait un...
c'est que des statistiques. Hein. J'ai 116 jeunes qui sont sortis du dispositif que je dirige à Béthune. 116 qui ont quitté le dispositif. Sur ces 116, 85% sont ou dans le marché du travail ou en formation professionnelle, encore aujourd'hui. Les autres sont soit disparus, je ne sais pas où ils sont, ils ont fait le choix, un autre choix, ils ont parti. Et sur ces 116, on peut considérer qu'il y en a deux qui ont effectivement provoqué quelques soucis. Deux sur 116, on est quand même loin sur ce ratio à ce qu'on avait pu entendre à un moment donné. Donc je pars du principe que 85% de jeunes qui sont dans une démarche professionnelle et qui répondent à une vraie problématique, parce que ça aussi, tous les employeurs que nous entendons à droite, à gauche, qui nous disent « mais j'ai pas de main-d'œuvre, j'arrive pas à recruter », il n'y a pas une semaine à la télévision sans que vous entendiez un domaine professionnel, que ce soit le bâtiment, que ce soit la restauration, que ce soit l'industrie, qui vous disent « mais on n'arrive pas à recruter ». Bah, nous, on a des solutions. Ça ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais on a des solutions. Voilà. Et les jeunes sont tout à fait partants pour faire leur rôle dans cette situation. On a une question dans la salle. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Emmanuel, de l'association Alexis Danon de Bretagne, à Rennes. J'avais une question pour Monsieur Warani. Monsieur le député Gaël Le Bouec nous a dit en début de journée, il nous a parlé de relations égalitaires, et on sait aujourd'hui à quel point il est important de les promouvoir pour lutter contre les violences. Et en voyant la vidéo tout à l'heure, j'ai vu dans votre académie que vous aviez des jeunes filles. Et donc ça a attisé ma curiosité pour savoir comment vous faisiez pour lutter contre les stéréotypes et lever ces barrières des préjugés. Vaste débat. Certes. On a été confrontés à des difficultés sur les féminines. Je parle sur la partie sportive. Dans un premier temps, quand les jeunes filles se sont approchées de nous et nous ont dit « Pourquoi les garçons jouent au foot et pas nous ?» C'était en 2015. Elles étaient trois. On m'a rapporté ça, on les a fait venir, on leur a dit « Il n'y a pas de souci, créons une section féminine, allons-y. » Avec l'aide de la Voix de l'Enfant, on a recruté une éducatrice féminine à Bir, qui ça à l'époque, justement pour donner cette confiance-là aux familles, parce qu'on s'est confronté à beaucoup de freins. Le premier frein, c'était les grands frères qui nous disaient bah, « ma sœur ne jouera pas au foot dans le quartier pour différentes raisons ». Une fois qu'on a réussi à convaincre les grands frères, parce que l'avantage que nous, on a eu, c'est qu'on a grandi dans le quartier, on a grandi dans le territoire, on les connaît, on a connu les grands frères qui ont notre âge. Donc, il y a ce lien-là de confiance qui reste. Donc, le fait leur petite sœur soit avec nous, ce lien de confiance. On s'est confronté à un deuxième souci, c'est les parents, les mamans surtout. Parce que culturellement, la fille doit aider dans les tâches la maman, doit garder les petits frères. Quand la maman elle est occupée, c'est elle qui garde les petits frères, c'est elle qui fait à manger, c'est les deuxièmes mamans de la maison. Et le troisième frein qu'on a eu, c'était, une fois qu'on a réussi à convaincre les mamans, réunion, on les a fait venir au local, le troisième frein qu'on a eu, c'était il ne fallait pas qu'elles s'entraînent avec les garçons. Il ne fallait pas qu'il y ait les garçons à côté. Donc, il fallait leur libérer tout un terrain, sachant que les difficultés que nous, on a dans le 18e arrondissement pour avoir les terrains de foot, parce qu'on n'est pas club historique, c'est très compliqué. On a plus de 500 jeunes et on a le moins de créneaux sportifs. On ne comprend pas pourquoi, mais bon. Il fallait convaincre les mamans. Donc, on a recruté une éducatrice, un budget très conséquent pour une petite association à l'époque, pour donner cette confiance-là. Donc, on est parti de trois jeunes filles où une maman venait et elle restait à la porte du vestiaire. Parce que pour elles ont peur. Ça a duré, de mémoire, ça a duré 6 mois à peu près. Et au fur et à mesure, on a cette communication-là qui a été faite, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec les écoles, où nous, on intervenait dans les écoles sur les heures méridiennes pour pouvoir faire des activités et promouvoir le sport féminin. Au fur et à mesure, ça a pris. Et donc, on s'est retrouvés à plus de 120 jeunes filles en 2017.
2017, bah, malheureusement, on a eu une grosse problématique. Je pense que vous avez tous entendu la colline du crack, toxicomanie, qui a eu sur la porte de la chapelle. Et donc, les familles ne souhaitaient plus ramener les filles, enfin, ne souhaitaient plus que les filles viennent au stade. Parce qu'on a essayé de trouver une solution de repli avec les élus pour les ramener sur un territoire où elles étaient plus loin, où elles n'étaient pas proches de la colline du crack, où malheureusement, bah, ça n'a pas suivi parce qu'ils avaient d'autres priorités. Et donc, on s'est retrouvés en 2020 à n'avoir plus aucune jeune fille parce que les familles ne le souhaitaient plus. Cette année, on relance la section féminine. On est à peu près sur 25 jeunes filles. Notamment, c'est les plus petites. C'est les plus petites, donc de 6 à 12 ans. Et redonner cette envie-là et surtout redonner cette confiance-là aux familles que le territoire ne craint pas. Parce qu'on a eu, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a eu l'intervention de Madame Macron qui s'est déplacée avec Madame Brousse sur le quartier et qui a eu cette discussion-là justement avec les familles pour essayer de trouver une solution et avoir une évacuation du crack. Et donc là, on a relancé cette section-là féminine. On se retrouve toujours sur des difficultés de terrain, etc. Parce que voilà, nous ont donné des créneaux pour les féminines qui est à 18h. À 18h, bah, il fait nuit en hiver. Les parents ont ramené leur fille ou laissé la jeune fille aller la nuit dans le quartier où quand même ça craint aussi. Il faut le dire que le soir, on marche avec des zombies. Hein. Dès que la nuit elle tombe, on a l'impression qu'on a des zombies dans le terrain, dans le quartier. Donc on a cette difficulté-là. Pour revenir à votre question, la mixité, c'est un sujet qui est très, très, très compliqué à travailler. On le commence dès le plus jeune âge, parce que la réflexion qui a été faite, arrivée à un certain âge, c'est très compliqué de faire comprendre, de mettre des ateliers en place, parce qu'ils ont déjà leurs idées, déjà qui c'est très compliqué. Donc on part dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on met des ateliers en place, on fait intervenir des intervenants qui maîtrisent cette thématique-là, justement pour recréer ce lien-là. Et on ne fait aucune action, que ce soit football ou socioculturel, où il n'y a pas de jeunes filles. Moitié-moitié. À chaque fois, on essaye de mettre moitié-moitié, que ce soit au niveau des salariés. Moitié-moitié, que ce soit au niveau des recrutements. Je prends un exemple au niveau des services civiques. On recrute généralement 4 services civiques. On recrute 2 jeunes filles, 2 garçons. Voilà un peu comment on essaye, nous, d'y travailler. Mais c'est un sujet très, très compliqué. Merci beaucoup. Merci pour tout ce travail et tout ce chemin parcouru. Oui, madame, je vous en prie. Oui, bonjour, Catherine Leboulprou, je représente l'association Carinman d'aide aux enfants démunis. Déjà, je voulais avoir un premier propos pour vous remercier tous les intervenants. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de qualités dans vos interventions et aussi mesuré le travail remarquable qui était fait sur le terrain. Et j'hésitais à le faire, mais comme le propos a commencé à émerger, je voulais revenir sur le contexte politique. J'ai été médusée, comme plusieurs d'entre vous, par la façon dont les jeunes cristallisaient parfois les problèmes de la société. J'ai entendu les difficultés institutionnelles qui étaient remontées par certains d'entre vous, de silotage, de difficultés de transversalité entre les différents services. On a le sentiment que pour donner beaucoup plus de force au travail qui est fait sur le terrain, il y aurait besoin peut-être pas d'un big bang institutionnel, mais quand même de mesures politiques assez fortes. Donc j'ose ouvrir une petite fenêtre et une question sur comment donner plus de voix à la voix de l'enfant dans le contexte actuel. Et s'il y avait, comme on est dans un contexte un petit peu politique, particulier, s'il y avait une ou deux mesures à relayer, à défendre pour que votre travail soit plus facile, quelles seraient-elles ? Alors, la liste au Père Noël, du coup. Dans un monde idéal, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, Stéphane Duval ? 2 cadeaux, pas plus.
Tu as pris ton cahier, Guillaume, pour prendre les notes. Alors, je vais toujours me positionner, moi, sur la question des mineurs non accompagnés. Et s'il fallait faire sa petite liste au Père Noël, effectivement, je crois que moi, la question de l'identité, elle est vraiment essentielle. Je vais prendre un tout petit exemple. C'est une expérience, c'est tout frais. Hein. C'est quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière avec une jeune fille, puisqu'on accueille, on accueille les jeunes filles dans le dispositif d'accueil d'urgence. C'est-à-dire que quand un jeune est mineur, enfin quand un jeune se déclare mineur et se retrouve seul sur un département, je vais vous la faire courte, mais il est orienté vers un dispositif d'urgence, on a 5 jours pour l'évaluer, et après, si la minorité est reconnue, bah, il est orienté vers un service dédié. Si par contre il est déclaré majeur, bah, il est rendu à la rue, on va dire ça comme ça. Dans ce cadre-là, le service que je dirige à Béthune, dans le Pas-de-Calais, fait de l'accueil d'urgence pour les filles, pour pas qu'elles ne soient dans le même dispositif que les garçons, parce que le dispositif d'urgence, généralement, c'est quand même assez chaotique. Bon, alors, on a très peu de jeunes filles, mais on en accueille de temps en temps. Mi-décembre, j'ai accueilli une jeune fille qui s'est présentée. Je vais l'appeler Fatoumata. Elle est arrivée, elle s'est déclarée enceinte, victime d'un viol sur son parcours migratoire, et se déclarant être âgée de environ 16 ans et demi, c'est ce qu'elle disait. Elle est restée 4 jours. On avait pris rendez-vous pour son évaluation, elle est restée 4 jours, elle a disparu. Bon, dont acte, c'est tout, c'est comme ça. Et on a vu cette jeune fille réapparaître un mois et demi après. Elle nous annonçait qu'elle avait perdu le bébé. Alors, est-ce qu'elle l'avait perdu ou est-ce qu'elle avait décidé d'avorter, je ne sais pas. Mais elle a dit qu'elle avait perdu le bébé. Et le département du Pas-de-Calais m'informe qu'on retrouve sa trace. Elle venait d'être évaluée dans le département de la Somme quelques jours auparavant et reconnue majeure. Donc le département du Pas-de-Calais me dit, si elle a été reconnue majeure, je ne peux pas refaire une évaluation. Il était intéressant de pouvoir maîtriser un petit peu les derniers textes de loi. Donc effectivement, quand un jeune a été reconnu mineur dans un département, il ne peut pas être réévalué dans un autre département. C'est une mesure de protection et c'est une bonne mesure. Par contre, quand un jeune a été déclaré majeur dans un département, il peut prétendre à une nouvelle évaluation s'il y a des nouveaux éléments. Et je vois la jeune fille pour lui annoncer que malheureusement, il va falloir trouver des solutions. Je lui demande si elle a le moyen de trouver une preuve, un document, une photo. Elle me dit que non. Et je lui laisse 2-3 jours, c'était le week-end, je lui laisse 2-3 jours. Et je lui dis, si lundi, j'ai pas quelque chose, malheureusement, il faudra qu'on t'oriente vers une structure pour adultes. Et franchement, elle n'avait pas une tête d'adulte. Hein. Je peux vous dire que... Et le dimanche soir, l'éducateur m'envoie un texto en me disant « Fatoumata a reçu cette photo ». Et elle sort une photo avec... en fait, c'est une photo de son acte de naissance au pays. Alors, il n'y a pas de photo, on passe à photo d'identité, mais évidemment, c'est un acte de naissance. Mais néanmoins, c'est une petite trace. Je réinterpelle le département le lundi matin en disant « Voilà, j'ai cet élément ». Après bien des négociations avec le conseil départemental, ils acceptent de refaire une évaluation. Elle refait une évaluation. Je consulte l'évaluation du service en question qui émet un doute. Alors, ils avancent des critères que j'estime, moi, complètement... Voilà, ils parlent d'une gamine qui n'a pas de repère et qui se contredit. Ben, je dis, oui, forcément, quand vous avez vécu sur un parcours migratoire, que vous avez été victime de viol et que vous venez de perdre votre bébé et que vous êtes toute seule sur un territoire que vous ne connaissez pas, on peut, je pense, décemment, avoir le droit d'être un peu perturbé, d'être un peu paumé. Toujours est-il que finalement, l'évaluateur dit que potentiellement, elle peut être mineure et que c'est le juge qui devra décider. Et jeudi, on a reçu l'OPP comme quoi la jeune était reconnue mineure. Ça s'est joué à rien, c'est-à-dire ça s'est joué à une photo. Si on n'avait pas eu, parce que je suis intimement convaincu que cette gamine est bien mineure, si on n'avait pas eu cette photo... D'où l'importance des pièces d'identité. Si on n'avait pas eu cette photo, cette gamine serait aujourd'hui repartie à la rue. Elle est reconnue, on lui octroie l'âge de 16 ans et demi.
et c'est visiblement l'âge qui est marqué sur son acte de naissance. Donc ça veut dire qu'on aurait mis à la rue une gamine de 16 ans et demi, uniquement pour une question de pièce d'identité et de preuve. Donc, sur votre question, puisque je me suis un peu égaré, rappelez-moi. Deux mesures. Donc, la première mesure, voilà, c'est ça, excusez, parce que comme c'est une situation qui a été assez éprouvante, il faut avoir de la posture professionnelle, mais parfois, quand vous remontez dans votre voiture le soir ou quand vous rentrez chez vous, vous relâchez un petit peu le tout. Donc, c'est vrai que ça a été un peu une épreuve qui s'est bien terminée, mais bon. Deux mesures. La première, je dirais que ça serait effectivement de vraiment travailler sur la reconnaissance d'une identité pour des mineurs non accompagnés. Je pense qu'il y a une porte ouverte, peut-être quelque chose de provisoire, simplement le permettre à un jeune qui est protégé, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sur les territoires français, d'avoir un document qui lui permet finalement de vivre comme n'importe quel autre jeune dans la société, avoir un compte en banque, pouvoir toucher son argent, pouvoir faire un stage d'immersion. On ne peut pas faire un stage d'immersion avec un jeune si il n'est pas inscrit à l'école. Nous, des fois, on reçoit un jeune, on veut le mettre en immersion chez un boulanger. Ah non, on ne peut pas, il n'y a pas de convention. On ne peut plus faire de convention de stage maintenant parce qu'il faut, ça relève du code du travail. Donc, il lui faut un titre de séjour. Mais il vient d'arriver, ça fait un mois qu'il est chez nous. On est en train de construire son projet. Ah oui, mais non, c'est comme ça. C'est des aberrations comme ça, je pense qu'il conviendrait de travailler. La deuxième mesure, c'est peut-être, et là je vais élargir un peu le débat, ça va faire plaisir à Guillaume, il y a des négociations actuellement qui sont sur effectivement une meilleure reconnaissance du métier, des métiers du social et du médico-social. Il y a des choses qui sont bien engagées. Je pense que ce métier mérite effectivement d'être... il y a une vraie pénurie de travailleurs sociaux. On a du mal à trouver des gens compétents, des gens diplômés. C'est de plus en plus difficile. Et quand vous êtes dans l'aide sociale à l'enfance, vous êtes au bout du bout. C'est-à-dire que les éducateurs, c'est soit par conviction qu'ils vont venir chez vous, ou soit par obligation. Donc, on essaie de trouver des gens convaincus. Donc, je pense qu'il serait intéressant, effectivement, de continuer cet ouvrage et que effectivement, les politiques puissent mettre en avant les métiers du social. Éventuellement, à l'ensemble des intervenants, peut-être de manière plus brève, pardon Stéphane de le souligner. Profitez-en. Est-ce que vous auriez deux mesures qui changeraient la vie des enfants, la garantie de leurs droits et puis votre exercice professionnel ? Nathalie, Christelle ? Alors moi, c'est essentiellement à l'international, donc c'est vrai que c'est toujours le cheval de bataille de faciliter la mise en place de la structuration des services d'état civil dans les pays qui n'en ont pas, même si c'est, comme je disais, le serpent de mer, mais ça mérite quand même une attention toute particulière. Des moyens, sans doute. Des moyens aussi. Ouais. Et c'est vrai que sauvegarder, aujourd'hui, on a des outils comme la numérisation qu'on n'avait pas avant. Enfin, tout à l'heure, je parlais du Congo, de l'Est du Congo, qui est en guerre depuis plus d'un quart de siècle. Il m'est arrivé de visiter un service d'état civil avec lequel on avait fait un travail et d'apprendre 6 mois plus tard qu'il y avait eu un pillage et que le bureau d'état civil avait été brûlé. Donc tout était parti en fumée. Aujourd'hui, on commence à avoir des outils pour faire de la numérisation. Et ça rendrait des services aussi. Parce qu'il arrive, comme sur Internet, on est bien référencé sur le Congo. Donc souvent, on a des appels de services sociaux qui nous disent, on a un enfant qui se dit congolais, mais aidez-nous à prouver. Et on n'a aucun moyen de prouver ni son âge, ni son identité, ni son parcours. Vu l'étendue du pays, c'est impossible à retracer. Oui. Sofiane ? Warani, dans votre liste au Père Noël, deux mesures. Je crois qu'il veut des créneaux de terrain de football. Ça, c'est pas mal. En fait, pour revenir, la liste, elle est très longue. Hein. Elle est très, très longue. Vous avez le droit peut-être à deux cadeaux. Revenir sur deux cadeaux. Je pense que, comme Christelle l'a dit, c'est les moyens, que ce soit les moyens financiers, les moyens matériels, humains. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous, dans les territoires où on se connaît, si on n'est pas, comme on le dit assez souvent, une association historique ou club historique, le travail qui est fait sur le terrain n'est pas reconnu. Ce qu'ils reconnaissent, c'est vraiment l'ancienneté. Donc, c'est les moyens. Au jour d'aujourd'hui, nous, l'association, l'Académie Football Paris 18, n'existerait pas sans la voix de l'enfant ou sans les moyens privés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à noter. Et peut-être revenir sur l'égalité des chances. Et moi, ce qui remonte assez souvent, nous, sur les territoires, cette égalité des chances-là, c'est que
dans nos quartiers ou dans le 18e arrondissement, les jeunes, ça vient de leurs mots, aujourd'hui, ils ne se sentent pas égaux ou égales par rapport à d'autres territoires ou à d'autres quartiers, que ce soit au niveau scolarité. J'ai beaucoup parlé de la scolarité parce que c'est notre travail en ce moment avec les écoles, parce que rentrer dans une école, autant qu'association, c'est comme si on rentrait à l'Assemblée nationale. C'est très compliqué pour y rentrer. J'ai mis 20 minutes pour rentrer, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, c'est pas facile d'y rentrer. Et arriver à décloisonner les territoires, devenir un partenaire privilégié de l'éducation nationale, par exemple, en étant une association. Tout à fait. Et surtout, peut-être aussi... je cherche mes mots, hein, désolé. Ouvrir les quartiers à d'autres populations. Merci Sophia Noirani. Nathalie Vabre. Vous ouvrez le micro ? Merci. Comme ça fait un packaging global. Parce que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et en fait, vraiment la promotion d'une éducation bienveillante, il y a déjà plein de choses qui sont faites, des spots, etc. Mais l'inscription dans le carnet de santé de l'interdiction des violences ordinaires et ce qui va avec, c'est-à-dire pas juste une inscription, c'est-à-dire un vrai respect des droits de l'enfant, expliquer à chacun, partout, et que particulièrement les professionnels s'approprient ça pour le faire respecter, parce que quand vous parliez de jeu tout à l'heure, c'est pareil, hein, quand on est médecin ou psychologue ou infirmière, si on veut aborder un enfant, il faut jouer, enfin, voilà, qu'on puisse s'approprier ce respect des droits et plus d'équité pour les enfants et les adolescents, les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, et je pense aussi à la PJJ, c'est pas mon domaine de compétence, mais je travaille avec protection judiciaire de la jeunesse, ouais. Voilà, plus d'équité pour eux, avec la reconnaissance aussi de tous les travaux scientifiques. Le professeur Cohen redisait l'importance de la politique au bon sens du terme, et qu'on n'aille pas à de l'apolitisme, parce que et de tout ce qu'on a dit sur les discours actuels, c'est-à-dire qu'on s'approprie les travaux scientifiques qui viennent justement dire le contraire de ce qu'on entend, hein, que la délinquance, c'est parce que c'est des gens... j'ai bien entendu, et je partage tout à fait qu'il faut dire les choses positives, parce que c'est pas vrai que les MNA sont des délinquants, et en même temps, pour nos jeunes qui sont délinquants, c'est de se dire pourquoi ils en sont là et comment déconstruire pour qu'ils ne le soient pas. Et ce n'est pas parce qu'ils sont ceci ou cela, c'est parce que nous, les adultes, on n'a pas suffisamment bien pris soin d'eux, et que la violence, c'est à nous, professionnels, de s'approprier une éducation bienveillante, ce qui ne veut pas dire une éducation sans limites, vous l'avez très bien dit, il faut des limites. Et quand on s'intéresse à un enfant ou à un jeune, poser les limites, c'est s'intéresser à lui, mais que le respect ne se gagne pas par la violence, que l'éducation, c'est l'exemple, et avoir une véritable promotion politique au bon sens du terme, des travaux scientifiques qui le démontrent, et qu'on puisse s'approprier ça. Hein, une éducation sans violence, ça sera la meilleure façon d'avoir des jeunes qui vont bien, hein, de les traiter bien. Merci beaucoup. On prend une dernière question et on clôt cette matinée. Monsieur Le Bouec, je sais, il y avait d'autres questions dans la salle ? Non. Merci beaucoup. Ça nourrit à la fois, on parle de choses politiques. Alors, je ne veux surtout pas écarter, au contraire, je vais revenir sur les questions d'égalité, mais je ne veux surtout pas écarter les excellentes remarques que vous avez faites sur la question des migrations et finalement, plus largement... surtout au moment où on apprend qu'il y a 100 000 Ukrainiens qui ont passé la frontière polonaise. Donc on sait bien qu'il va falloir absolument accueillir dans les meilleures conditions ces personnes-là, et il est parmi eux beaucoup d'enfants. Mais ça rebondit quand même sur la question finalement d'apprendre à l'autre, la relation à l'autre en tant qu'autre, je pense. Et ça rebondissait, ça rebondit quand même sur la question de l'égalité finalement, apprendre à accueillir. Et donc si j'avais... moi, il y avait une liste de cadeaux qui était proposée par Marion, donc on va la prendre. Mais moi, c'est quand est-ce qu'on peut mettre vraiment l'enfant au cœur de nos dispositifs ? On a beaucoup parlé d'éducation, mais de sport, on peut aller plus largement. Avec deux aspects. Le premier, c'est des choses qu'on va proposer dans les semaines à venir, mais globales et locales. Le local, pour moi, c'est l'écoute, vraiment comment structurellement on peut avoir. Moi, je prône un baromètre de l'égalité dans toutes les écoles de France. Pourquoi ? Parce que... à une question qui m'a été posée, que j'ai retranscrit sur une loi que devaient écrire les enfants de CM2 il y a 3 ans maintenant, Parlement des enfants, et que je pose dans toutes les classes de France aujourd'hui, quand j'y passe, avec grand plaisir. Quand vous demandez aux enfants
sur la question de l'égalité, ça rebondissait. J'ai vu qu'il y avait un clan breton là-bas. Coucou aux Bretonnes. Quand vous posez la question aux enfants de CM2, est-ce que là, au sein de l'école, il y a des inégalités entre les garçons et les filles? Et vous expliquez bien, je ne parle pas à la maison, je ne parle pas dans l'espace public, on imagine bien ce qui pourrait être imaginé. Juste dans l'école, 80% des enfants, et moi c'est pour ça que j'ai poussé pour avoir un rapport sur les stéréotypes, 80% des enfants vous disent qu'il y a des inégalités. Et vous tirez le fil. Pourquoi les garçons, ils ont le droit de taper les filles et pourquoi pas l'inverse? Pourquoi les garçons, ils occupent toute la cour d'école et pourquoi les filles sont mises dans un coin? Et je pense qu'il faut que chacun aussi, on s'interroge sur ce qu'on a créé comme monde. Parce que les autres questions que vous donnent les enfants, c'est mais pourquoi la maîtresse donne plus la parole aux garçons qu'aux filles? Pourquoi quand un garçon réussit, on lui dit qu'il est fort? Pourquoi quand une fille réussit, le professeur va plutôt lui dire « C'est bien, t'es travailleuse, continue, t'es appliquée. » Donc ça nous interroge, nous aussi, sur notre façon de voir les enfants. C'est pour ça, je ne vais pas refaire de la pub, mais sur l'histoire du bouquin qui doit être là-bas, il est disponible, mais il est sur Internet, sur les stéréotypes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, et ça nous interroge nous-mêmes sur cette relation-là à l'enfant. Donc, mettre l'enfant au cœur, baromètre, et puisque François t'a dit, dont j'en parlais tout à l'heure, pense toujours dire il faut faire du fractal, du local au global et du viral. La question vraiment d'une délégation qui peut être en transversale, parce qu'on a beaucoup parlé de silos. Moi, je milite vraiment pour une délégation au droit à l'écoute et aux propositions des enfants, qui serait doublée d'un parlement des enfants qui viendrait le nourrir, pour que toutes les lois soient regardées sur cet angle-là, en transversale, sur vraiment qu'est-ce qui touche aux droits de l'enfant et comment on peut écouter les enfants sur ces solutions-là. Voilà pour mes deux questions, mais qui touchent vraiment à l'égalité, et c'est vraiment du sens politique. Nathalie Vabre, vous l'avez dit, l'éducation, c'est l'exemple. Et ce matin, Philippe Duverger nous a expliqué que s'interroger sur l'humanité de l'enfant, c'était en réalité s'interroger sur notre humanité. Voilà, je pense que cette matinée d'échange est maintenant terminée. Elle était riche. Merci beaucoup pour y avoir participé. Merci à tous nos intervenantes et nos intervenants pour leurs réflexions de qualité, leur retour d'expérience aussi. On se retrouve cet après-midi à 14h. Je vous conseille de prendre un peu de marche parce que vous l'avez vu, c'est des contrôles dignes d'un aéroport. Sofiane Warani nous l'a rappelé. C'est aussi difficile que pour une association de rentrer dans l'école. Cet après-midi, c'est notre troisième table ronde sur les rapports de l'enfant au numérique. Les risques, les dangers d'Internet, bien sûr, mais aussi les perspectives de liberté d'expression et d'accès aux connaissances avec trois intervenantes et intervenants encore de qualité. Justine Atlan, la présidente de Y'Enfance, la juriste du think tank Renaissance Numérique. Jessica Galissaire et le chanteur et influenceur Bilal Hassani. Je vous dis à tout à l'heure et on peut encore applaudir nos intervenants.